know, like, you can always go to the comments and find a whole bunch of bullshit, but you have to remember that, like, even if 100,000 Bonjour à tout le monde. Depuis que tu as commencé à me suivre, tu as arrêté de manger la viande et aussi les couches de nuit. Ça a cessé. C'est super alliance. Bon, vous savez, quand elle me pointe ici, là, c'est pour vous donner les messages qu'on m'a donné pour vous. Bonjour, bonjour. Attends, il bloque une personne ici, là. Quand tu viens d'arriver quelque part, tu regardes d'abord, non? Chantal, bonjour. Bonjour Françoise et merci. Je reçois la lumière justement.
Vous savez que votre famille, quand ils vous ont éduqué ou bien élevé, ils ne vous ont pas aidé parce que on vous a sans cesse dit d'être humble. Vous avez grandi dans un environnement qui a pour but de diminuer votre énergie, diminuer votre efficacité. Vous savez que c'est seulement quand tu reconnais quelque chose que la chose peut briller encore. Non? Vous savez ça, non? C'est quand tu reconnais quelque chose que la chose... C'est quand tu parles de quelque chose que ça augmente. C'est quand tu mets ton attention sur quelque chose que ça produit. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, c'est quand vous allez quitter votre boulot là, votre truc là. Oh, si je quitte, je vais faire comment pour payer mon loyer? Tu le découvriras ta mission de vie et tu ne pourras la mettre en pratique quand tu vas quitter de là. Pour l'instant, votre patron vous paye pour avoir votre énergie et votre attention. C'est pour ça que je suis très méticuleux sur les personnes que je prends dans ma propre entreprise. Prendre quelqu'un pour qu'il vienne travailler pour toi, ça veut dire que il te donne son énergie, son focus, son attention. Olga, bonjour. Il te donne son énergie. Il te donne son attention. Or, si la personne n'est pas censée ça veut dire qu'il va apporter une énergie négative dans ton assiette. Quand vous ne sentez pas quelqu'un, ne faites pas. Donc, je reviens à ce que je disais. Vous avez grandi en ayant dans votre entourage des personnes qui ont sans cesse diminué votre puissance. Et beaucoup de femmes avec votre énergie, vous avez une énergie incubatrice. Ton énergie est incubatrice dans le sens où quand tu sors avec un mec ou quand tu collabores avec quelqu'un, le fait que la personne soit en ta présence, ça attire le meilleur de cette personne. Et c'est ce matin que Dieu me montrait pour mon propre cas. Mes anciens amis, mes ex, Patricia, va poser ta question sur Google. Je ne suis pas ton Google. Voilà. Quand elle met le titre de mon direct, tu viens là. Je ne crois même pas que je vais laisser ce qu'elle dit pour te pour parler pour toi. Je suis restée comme ça, je dis, mais attends un peu. Quand j'ai rencontré la fille ici, elle ne connaissait pas qui elle est. Oui. Elle parle avec toi une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Tu vois comment elle commence à changer. Seulement le fait que je lise tes messages dans mon inbox,
t'apporte une grâce. Le fait que tu puisses venir à Nimbok me dit, tu penses quoi de ça? Bonjour, comment vas-tu? Que tu me parles d'un de tes problèmes. Je mets ma lumière sur toi. Tu commences à sortir avec un homme. Un mois, deux mois, trois mois. Qu'est-ce qui se passe? Son gari quoi? Il commence à avoir confiance en lui. Six mois plus tard. Quand un homme sort avec moi, hein, moi je fais attention. Alors le jour où tu vas arrêter de sortir avec moi, là, tu vas souffrir. Je ne vais pas te faire quelque chose. Mon rythme de vie va, tu ne peux pas tenir seul. You can't. Il y a une grâce qui se pose. Même si tu nettoies le sol dans ma maison, il y a la grâce sur toi. Tu vis dans ma maison. Seulement ce qu'on mange. Ah. Pendant que la maison, en choisissant le menu, ils disent que oh non, ouais, on n'a pas l'argent pour faire ça. Tu sais ce que c'est que d'être dans un environnement où tu ne t'inquiètes plus de rien. Ça, c'est l'onction que vous portez. C'est ce que vous portez. J'ai eu des gens qui m'ont approché peut-être, collaborateurs. Tu quittes d'un environnement où tu dépendais de tes parents. Tu commences à traîner avec moi. Ou tu commences à traîner dans mon entreprise. Un mois, deux mois, trois mois. Après la personne commence. Rien de lumière, c'est qui? Elle croit comment? Hein? Parce que ce que tu fais là, moi, mais je peux faire. Hein? Moi, je peux faire. Je peux faire. Je vous dis souvent que désabonnez-vous de ma page. Faites un mois sans écouter mes vidéos. Aucune. Check ta vie. Tu me dis. Check ta vie dans un mois. Si tu es mieux mentalement, financièrement et tout que quand tu m'écoutais, tu as la preuve. Car comme ça là, comme tu t'es désabonné là, ne reviens plus. Parfois les gens vont venir à côté de toi, ils vont te faire douter de toi-même. C'est pour ça que je suis devenue trop sélective sur les gens qui restent à côté de moi. Récemment, mes collaborateurs disent, non, il te faut une assistante, il te faut une assistante. Il dit, moi-même, je veux prendre l'assistante, moi-même, je veux. Moi-même, je veux. Mais veux pas l'assistante qui va méditer. Non, 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 non. Parfois que tu viens, tu fais ce que tu as fait, tu pars. Et avoir quelqu'un à côté de toi. Le truc, c'est que... Oh my goodness. Le truc, c'est que... Les gens... aiment trop la familiarité. Trop. Trop. Ah, n'est-ce pas, il la voit tous les jours. Ah.
On parle souvent des gars, c'est là que vous avez pris. Tu as acheté les caleçons, tu as acheté le parfum. Après, il commence à mal te parler. Tu as échappé à une initiation. Waouh, ça c'est super, ma chérie. N'est-ce pas, il couche avec elle. N'est-ce pas, c'est tout, elle ici là. On ne peut pas te cerner, ma chérie. Écoute, les gens ne savent pas ce que tu as dans le cœur par rapport à eux. Tu as senti que eux. C'est tout. Et voilà votre garde-fou, hein. Voilà ce qui m'a toujours sauvé. Voici ce que Dieu m'a toujours mis, qui m'a toujours sauvé. Dès qu'elle veut lancer quelque chose avec la personne, ça ne marche pas où la personne fuit à la dernière minute. Je crois même qu'au final, on n'est même pas censé avoir les amis. Même si tu as un gars, c'est même pas le gars qui doit vivre chez toi. Si tu as une copine, c'est pas le gars qui doit vivre dans la même maison que toi. C'est pour ça que tu dois avoir l'argent. Il dit que voilà la maison de mon mari là-bas. Oui. Le voilà. Bonjour chérie. Excusez-moi. Souvent elle s'est réfléchi. Il dit que ouais, puis go là. Daniel, quand vous entendez souvent les proverbes des gens, hein, voilà, Via dit que depuis 3 mois, son business évolue, depuis qu'elle m'écoute. Donc ça, c'est bon. Maman, Sako Yaya est un bon gars. Hein. Sako avait acheté le téléphone à Sako. Moi, j'ai vraiment respecté ça chez Sako Yaya. Donc Sako Yaya, c'est un bon gars. Tellement qu'il était sale, elle devait lui acheter les bons caleçons, c'est tout. Et la santé chez un homme, ce n'est pas un défaut. Un homme qui t'achète téléphone, hein? Il y en a combien ici dans les filles? Parfois tu rencontres, il commence à te sortir tous les. Et tu le rencontres, non? Tu l'aides pour un petit problème du premier jour là. Bon, sa roue est crevée et il n'a pas d'argent sur lui. Son téléphone est éteint, il ne peut pas faire le transfert. Tu dis, bon, je peux payer la roue, hein, pas de souci, il ne me rembourse pas. Aucun noix. Oui ou non? Le van, le direct parle de quoi? Attends, il te bloque, hein. Tu n'entres pas dans ma maison, tu commences à bavader. Et on me voit. Le direct parle de quoi? Laisse, il faut partir, sors. Mes paroles, même d'abord, c'est même pas pour tout le monde. Voilà, même les fleurs, ils ne peuvent pas offrir. Combien de fois le téléphone? Ils sont en train de parler en chinois. Daniel, tu l'insultes pourquoi? Ne l'insultez pas. Je parle en chinois. N'insultez pas les gens dans mon direct, s'il vous plaît. Hein? Tu as compris, chérie. La one. Je vois que tu as mis la lesbique sur ta tête. Pardon, mamie, sors du direct. Ce saut. Pardon. Bye bye. Je vais parler en chinois pour toi. Parce que là, on ne sait pas le français qu'elle parle. Que ça parle de quoi? Continuons nos choses. Pardon, c'était trop sucré. Ce qu'elle disait là me plaisait trop. Comme tu es arrivé, non? Mets la poudre de cannelle dans ton bain. Il faut même faire le thé de cannelle. Vous léchez même la cannelle. Cannelle, c'est l'argent. Continue. Tu mets une petite poudre de cannelle dans ton porte-monnaie. Continuons. Comme tu as trouvé le premier jour, tu avais un problème de roue. Hein? Bonjour, Paul. J'ai transféré l'argent pour payer. Oui, j'ai besoin de 100 000 francs pour faire mon... Tu me dis. L'autre va même te dire que je suis malade. Tu as acheté le médicament. L'argent ne suffit pas. Ton argent ne suffit pas pour acheter le médicament. Père, on n'a rien à parler ensemble. Médicament de 3 000 francs. Il y a les hommes ici dehors qui ont fini avec ça. Je cherche mon deuxième chef.
Il y a les hommes ici dehors. Hein, mes chéris? Ils ont fini avec. Maman. Hey! Parfois, ces personnes-là vont faire comme si c'est toi la folle. Like, you know, you're the crazy girl. C'est toi qui es un peu folle. Chosi, la one. Chosi, you. Oh, you know. Et vous savez, parfois, il y a des sensations que les gens vous font ressentir. Ça vous met mal à l'aise. Je suis le Jacques. Sur impulsion comme ça, je peux même faire le don de 1 million à quelqu'un. C'est pas parce que tu m'as demandé. Je peux rester comme ça là, oui, tu arrives quelque part, bon, je paye la nourriture, je sors 30 000, je paye. Ok, comme il a vu, j'ai payé là. En rentrant sur le chemin, oui, j'ai mon truc qui est gâté là, tu sais, pour que je reprenne le boulot, j'ai besoin de, il faut que j'arrange telle chose. L'argent de chacun a sa chose que c'est censé faire. Il y a le plan sur l'argent de tout le monde. Oui, bâton de cannelle, c'est bon. Là, mon agent a le plan de ça. Et c'est toujours votre agent qui est sucré. Non, Kinshasa, non, mais on poste les choses à Kinshasa. On envoie les produits là-bas. Donc, je vends les produits pour enlever les. Pour vous désenvoûter, pour briser les malédictions familiales. Je dis, mais attends un peu. Pourquoi? Attendez, je dois mettre. On m'a dit le matin qu'il devait mettre ça sur moi. J'ai oublié. Gotionia, au piap. Piap. Gotionio. Voilà. J'ai oublié. Je fais les soins énergétiques à distance, oui. Et quand les gens viennent à côté de vous, ils ne savent pas que vous avez une énergie tellement puissante que vous la transformez en argent, c'est-à-dire vous ne manquez jamais. Maintenant, eux, quand ils viennent à côté de vous, ils ne savent pas que seulement le fait de parler avec vous, d'avoir le privilège de parler avec vous chaque matin, ça peut être une source d'argent. Ta puissance est le jacquet. Seulement le fait que quelqu'un te dise son problème et dis seulement une parole et je serai guéri. C'est comme ça que vous fonctionnez. Tu dis non, ça va aller. C'est ton gars, hein? C'est ton gars, hein? C'est ton pineur. Hein? Parce qu'il dit gars, vous n'entendez pas bien. C'est ton pineur. Mais le fait que tu parles ta chose sur ses affaires, il reste comme ça là. Améthyste, tu ris quoi? Le mot pineur était approuvé dans le dictionnaire de la Reine Lumière. Donc, et ces personnes-là ont souvent tendance à vous, à rentrer dans la familiarité avec vous. Oh, tel fournisseur ne voulait pas me donner l'argent. Hein? Il a pris mon argent, il est parti avec. Oh, il a, oh. Il vient, il te dit. Tu dis, chérie, ne te dérange pas. Ils vont t'appeler. Ils vont te chercher. Il reste dans la journée à 14h. Il y est. Ils m'ont appelé jusqu'à me dire qu'ils vont virer l'argent dans 20 minutes. Merci, James. Mamie, je n'écoute plus les problèmes. Quand je fais la consultation avec vous, je ne tenais pas pour écouter vos problèmes. Hein. C'est pour ça que ma consultation est chère. C'est une conversation. Donc ne crois pas que tu viens me dire, oh, il m'a fait ça. Elle m'a fait ça.
Aidez-moi à sortir mon fils. Mon fils est né des mains de sa copine. Écris en inbox. Tu as compris? Je travaille sur les enfants. Dans quel ego? Kéline, quel ego? Ego back. L'ego c'est quoi? L'ego c'est quoi, mamie? Ego vient d'égoïsme aussi. Égocentrique. Ça c'est parce que tu as pensé à toi, pas aux autres. Hé, mamie? Mamie? Ego back. Hein? Ego hakaba. Ça donne l'argent à ego. Dites-moi alors ce que l'ego c'est. C'est le bonbon. On suit ça. On va aller sur Google, on va chercher le mot ego, ce que ça veut dire. Ego. Hey! Jesus is Lord. Le sens de self-esteem. Voilà ça, c'est sur Google. Un but, c'est pas ça. Ne viens pas transformer. Hein? Écoutez-moi bien. Ego, c'est le sens de self-esteem, de l'estime de soi d'une personne. C'est l'importance que quelqu'un apporte à sa propre personne. Est-ce que vous savez que vous devez être les premiers égoïstes? C'est aujourd'hui que je me rends compte. Jesus. 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 Evalisti, je n'aime pas le mot aidez-moi. J'ai toléré ça une fois, je ne tolérerai pas deux fois. Le mot aidez-moi ne fait pas partie du vocabulaire de ce que je parle ou que je lis. Vous a fait croire que quand vous pensez que vous êtes important, c'est mauvais. Françoise, va sur Google. On vous a tordu. Bonjour la reine Héricia. On vous a tordu la définition de ego. Allez sur Google chercher. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que, selon eux, vous ne devez même pas brosser vos dents le matin. Vous ne devez même pas manger. Tout pour vous doit être centré sur eux. Maman, si tu ne penses pas à toi, qui va penser à toi, chérie? C'est ton gars. Depuis que tu sois avec les gars là, ça se passe comment? Nazaré, prenons la définition normale de l'ego. Arrêtez ça. Que l'ego devient mauvais quand il est poussé à l'extrême. On n'a pas parlé d'extrême. Vous là même, vous ne profitez pas de l'ego dans votre vie, même à 2%. Voilà une journée qui vient de commencer. Passe la journée si tu te dis, et si je pensais à moi? Est-ce que vous savez que même nos enfants nous empêchent de penser à nous? Hein? Maman, 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 maman. Quoi? Si t'es accouché, tu t'occupes de moi. Tu t'occupes de moi. Faut voir qu'elle est là. Ma fille s'occupe de moi. Elle ne veut pas, elle va me sentir. Le son est parti. Hey. 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 Est-ce que vous savez même ce qu'on vous a fait? Ah, tu penses trop à toi. Ah, tu es trop. Hey.
quand j'ai commencé à comprendre ça, je me lève, je vais manger mon bon truc, je mange. Je vais aller dans mon bon hôtel, je pars. Je vais aller dans une ville, je pars. Je ne veux pas savoir ce que mes enfants pensent. Et je leur dis toujours, vivez votre vie, je vis ma part. Bonjour, monsieur Jean. Un gars te drague. Tu ne bats pas. Ne pine pas. Laisse, ne pine pas, mamie. Dis que je m'occupe d'abord de mes enfants. Hein? Ne pine pas, hein? Ça t'est déjà arrivé. Tu t'occupes tellement de tes enfants. Quand tes enfants peuvent, ils t'abandonnent. Tu les envoies en vacances chez quelqu'un. Dès qu'ils sont arrivés, ils font 2 semaines sans t'appeler. Tu dis, hé, mes enfants. Hé, mes enfants. Moi, j'ai compris depuis longtemps. Juju, j'ai compris depuis longtemps. Quand vous envoyez vos enfants en vacances, et qui se lève le matin vous appelle? Ah, en tout cas, pas les miens, hein? Pas les miens, hein? Pas les miens, en tout cas. N'épine pas, mamie. Tu as compris? Viens m'occuper de mes enfants. Viens m'occuper de mes enfants. Kala, bonjour. Evalisti, ton mari doit... Attends, je vais t'enlever sur ma page. Tu es d'abord venu avec ton fils. Maintenant, tu viens avec ton mari. Mon mari dort comme s'il a une femme de nuit. Peut-être c'est même toi sa femme de nuit. Mon fils, qui est là-bas? Je te bloque de ma page. Hein. Peut-être qu'on vous avez jamais dit, moi, il bloque moi les gens. Bien même. Go bloquer, pomme non. Oyou, non. Go bloquer, pomme non. Donc, tu es sage, tu sors seul. Lisa, bonjour. Go bloquer, pomme non. Oh yo, je parle de pin, tu vas me déranger, pourquoi? Je répète ce que je disais. Les mères d'enfants, quand vous envoyez vos enfants pour 2-3 jours quelque part, est-ce qu'ils se lèvent le matin, la première chose c'est d'appeler maman? Ils sont en train de jouer entre eux, non? Monsieur Vanessa, Tu te lèves le matin. Hé, mes enfants, ils ont bien dormi. Ils ont mangé. Ils sont habillés. Ne pine pas. Ne pine pas, toi. Oh, you, non. Lucienne, même t'es bipé. Avant que la chose te fasse mes enfants, je croyais que c'est parce qu'ils n'ont pas le téléphone. Tu donnes le téléphone, il se réveille le matin. Même bonjour, il ne te dit pas bonjour. Voilà, je suis parti du Cameroun depuis 2 jours. Non? Ma fille m'a écrit. Je sais que si aujourd'hui, il n'y a pas la nourriture, elle m'écrit. Bonjour, maman. On me dit que je ne vais pas penser à moi. Hein? Hein? Appelle Monsieur Constant, il lui ouvre s'il est pas là. Demande-lui d'ouvrir un peu. Je crois que c'est ouvert. On vous a fait croire que le seul devoir que tu as envers ton enfant, c'était de l'accoucher. Comme tu as porté dans le ventre.
Tu as accouché, non? Arrêtez de mettre le cœur sur les enfants. Bonjour la reine Janine. Comme tu es en train de parler là, hein? Je me rappelle comment... Souvent, vous voulez même vous suicider à cause de vos enfants. Un jour, j'organise l'anniversaire de ma fille. Tu vois comment elle a formé sa belle vie avec ses amis. Ils sont sur le téléphone. Oh, I sent your message. It is a message. Ma fille ne faisait pas comme si elle ne me connaissait pas le jour-là. Ok. All right. D'accord. Moi-même, quand je suis dans mes directs, là, quand je suis en train de bavarder, vous êtes mes amis. Hein? Dès que ma fille se réveille, elle connaît que non, pardon, la femme là, elle m'appelle mode seulement par devoir. Par devoir. Je suis en direct, je suis sûr que la porte est ouverte. Donc demande-lui d'ouvrir la porte, elle entre. Si ça ne passe pas, elle s'assoit là-bas, elle attend. Tu es égoïste. Je viens de vous lire la définition de égo. Égo, ça veut dire que tu penses à toi. Ça veut dire que tu te concentres sur une importance de toi. Si tes propres enfants ne te permettent pas de penser à toi, je pense que c'est dangereux. N'en parlons pas alors pour le père. Malheureusement, beaucoup de personnes, vous vivez des choses dans les couples, vous n'osez pas parler. Ça tue vos pouvoirs à petit feu. Ça tue vos pouvoirs. Avant, quand je voyais les stars, je les voyais à distance, je voyais comment ils étaient dans les relations, je ne comprenais pas. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir un foyer stable, stable là même. Et puis tu as une mission de vie où tu voyages, tu fais des conférences, tu fais des vidéos, tu parles aux gens 5 heures par jour dans le live. Après tu vas piner avec monsieur tous les jours pendant 4 heures de temps de pine. Après tu pars. Non. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des foyers où vous avez déjà vu le visage de vos hommes. Vous avez déjà vu. Mais vous êtes dans le conformisme. Je crois que vous avez parlé de cette dame sur qui je travaillais. Elle vivait avec un Européen. Première fois que je travaille sur elle, je lui dis, je demande le mari. Je lui dis vraiment le mari. Je dis, bon, on n'est pas prête pour ce sujet. 3 mois, 4 mois plus tard. Et rien n'est plus dangereux que quelqu'un qui dort avec toi sur le même lit. Ton voisin de lit, que quand il travaille sur toi pour te faire du mal. J'ai dit, mais je lui demande, mais. Et je connais comment je travaille. Je dis qu'avec tout ce que j'ai fait sur toi, mamie, tu es censé déjà voir un résultat. Oh. Après un dernier effort, elle m'envoie encore l'argent comme ça. Je fais quelque chose sur elle. Maman. Elle découvre le verre d'eau avec son nom sur un papier qu'on a écrit 9 fois. On a mis, tu vas m'obéir, tu vas me dire parler de tes projets, tu vas... C'est son mari qui a fait. Il a mis ça en bas du lit de son côté à lui. Vous savez ce que la femme l'a fait? Elle a quitté le monsieur. Je croyais qu'elle n'allait pas avoir le cœur. C'est le jour où tu vas m'entendre parler de ton histoire ici, là, sans donner ton nom, bien sûr, que tu sauras que je n'invente pas les histoires. Parfois, quand vous me racontez, c'est comme le film. Je regarde la soeur, ah! Après, fait, oh! Hey! Il a fait ça! Oui. Parfois, c'est comme le film dans mes oreilles.
dit que non, vos gars là. Vos gars. Elle reste un matin, elle me dit, j'ai laissé les enfants, je suis partie. Attends, elle va me mettre sur mes pieds. En fait, j'étais choquée parce que je ne croyais pas qu'elle allait avoir le cœur. Parce que vous pensez trop. Oh, les enfants. Oh, la famille va dire quoi? Oh, tu peux encore, tu te couches sur le lit. La nuit, ces esprits-là viennent encore t'attacher. Tu dis yes. Je ne peux pas le quitter. C'est le père de mes enfants. Non, c'est le donneur de sperme qui a donné naissance à tes enfants. C'est le donneur de sperme, ma chérie. Non, moi, je vous donne le chapeau. Hein. Quand une femme, j'ai une de mes filles là récemment, j'ai fait un lavage mariage sur elle. Le lendemain, son gars lui a fait, oh, je te quitte. Je te quitte. Dès qu'il a quitté comme ça là, quand il est arrivé au pays, il est venu la supplier n'importe comment. Elle a dit jamais. Jusqu'aujourd'hui, quand elle pense à elle, dit que mon mamie, tu étais forte. Un bendiste vient te donner le iPhone 15. Tu refuses. Chapeau. Parce qu'elle même savait que le trou que... Et c'est quand le monsieur a dit que bon, on arrête d'être ensemble et tout ça. C'est là qu'elle a vu le vrai visage de la famille du monsieur. J'ai tenté d'entrer dans la famille, elle allait lire. Elle allait lire sur le calendrier des bateaux femmes chinois. Il a tout fait. Le chemin parfois le chemin n'est pas trop clair. Mais tu connais quand même là où tu ne veux pas partir. Que l'autre là, je ne passerai plus là-bas. Même si je ne vois pas assez, il y a le brouillard ici, je ne suis pas très sûre de là où il va arriver. Mais une chose est sûre, c'est que je ne pars pas là-bas. Bonjour Moto, bonjour Anastasie. Lucia, bonjour. Francky, bonjour. Généralement, vous voulez quitter le foyer pour aller rester en famille, pour que votre père s'occupe de vos enfants. Quand tu quittes du feu, c'est pour te mettre la pression comme si tu avais le feu aux fesses. Tu quittes, tu trouves quelqu'un qui peut te donner son canapé. Tu dors sur le canapé avec deux enfants. Chacun fait son tour la nuit. Que tu as dormi 2 heures, laisse-moi aussi dormir. Peu importe. Vous dormez au sol. On réveille une personne la nuit, il monte sur le canapé. Ça masse un peu son corps. Après, il se couche au sol, l'autre monte. Tu te dis, j'ai 2 semaines pour sortir d'ici. Le problème que vous avez, je cherche le mouchoir que j'avais ici. Le problème que vous avez, c'est que vous voulez trop qu'on compatisse avec vous. S'il y a quelqu'un autour de toi qui a pitié de toi, fuis la personne. Oh, il t'a fait ça.
Oh, Dieu va le punir, il est méchant. Dieu ne le punira pas. Je n'ai pas de jour précis pour le live. Mon live, il est connecté aux ancêtres. Il fait quand je peux, ça sort comme ça sort. Alors, le truc, l'homme s'est poupiné, il fait l'enfant. Colette, que si tu as besoin de l'amour, love yourself. Fuyez les gens qui ont pitié de vous. Comment vas-tu? Oh, je comprends. Hein. Si tu ne vas pas bien, je comprendrai. Non. Fuyez-les. Non, tu n'as pas besoin de te presser. Ma chérie, à ton âge, les filles, on les a conçues à la maison. Hein? Banam, bonjour. Voilà, tu as suivi un live qui disait de quitter. Tu as vendu tes bijoux pour la location. Voilà, ma chérie, je dois te prendre un de mes lives, tu racontes bien ton histoire. Mais, elle a vendu ses bijoux pour payer la location. Non, ça c'est mon sac Louis Vuitton. Je ne peux pas vendre. Tu dors sur le canapé de quelqu'un avec l'argent de un an de loyer dans l'armoire. Ah. J'ai suivi un de vos lives où tu disais de quitter. J'ai fait mes bains et j'ai vendu mes bijoux pour ma location. J'ai pris une maison, je vis avec ma fille et ma soeur à l'aise. Voilà. Et tout s'ouvre à un clin d'œil. Votre énergie, hein, votre énergie ne peut résister dans... En fait, je suis vraiment désolée de vous le dire. Une reine ne peut être sous l'emprise d'un roi. Arrêtez de dire votre truc que vous voyez dans le film là que « Oh, je suis une reine, je veux mon roi. » Une reine et un roi ne peuvent pas gouverner ensemble. J'explique. Quand vous voyez un royaume, si on te dit le roi Salomon, c'est le roi Salomon qui a le commandement. Les femmes sont à côté. Francky, je ne parle pas des hommes miroirs. Va sur Google, tu cherches. Tu sonnes mon direct. Il y a toujours reine d'Angleterre, par exemple. Père son âme, maman. Son mari était mort avant elle, ou bien elle était morte avec son mari. Son mari était mort avant elle. Ils sont entendus pour mourir à 2 ans d'écart, je crois, oui. C'est elle qui était la reine. Lui, il était à côté. Deux personnes ne peuvent pas gouverner un empire. Arrêtez. Et on éduque ces enfants-là, on les prépare à la royauté. Parce qu'il y a des règles. Je suis au Gabon, oui. Je suis au Gabon. Tu payes ta dîme après le direct. Je bénis ta dîme. Vos dîmes de 500 000 là. Les gens qui sont là, que leur dîme a augmenté là. Je vous bénis. Tu payais 5 000 l'année passée. Aujourd'hui, tu es à 160 000 de dîmes. Bientôt, tu seras à 1 million. Comme les blagues.
Si tu es au Gabon, prends mon numéro dans la bio. Tu écris sur WhatsApp, tu dis que tu veux me rencontrer. Et tu payes. Comme ça, tu viens me voir physiquement. J'espère que tu fais tes bains de sel, sinon tu ne pourras pas me voir. Deux personnes ne peuvent pas gouverner. Deux personnes ne peuvent pas gouverner. Deux personnes ne peuvent pas... J'ai dit que quoi? Deux personnes ne peuvent pas... Deux personnes ne peuvent pas... Et c'est difficile pour les hommes aujourd'hui d'accepter que Dieu a parlé à ma femme. Faisons ce que Dieu a dit à ma femme. Est-ce que ça vaut la peine? Merci Sandrine pour le compliment. Bonjour Félix, bonjour. Michel, Foma, bonjour. Marie, bonjour. Lisa, bonjour. Soraya, bonjour. Vous ne pouvez pas. Est-ce que ça vaut la peine d'handicaper ce que Dieu a mis en toi de faire? Il y a des jours, je reste comme ça, je me dis que l'institution du mariage, c'est le scam. C'est le scam. Pour te marier et rester marié, ça ne donne pas l'argent. Le mariage, tu ne pars pas à la banque avec ta bague, tu dis que regardez, on te donne l'argent. Impossible. Willy, mon numéro est dans ma bio. Je ne suis là pour dire rien sur personne. Tu me demandes quelque chose sur toi, il te bloque. Si tu es en Europe pour m'envoyer au téléphone, je travaille avec WhatsApp, non? Tu prends le numéro, tu écris sur WhatsApp. Le mariage, c'est le scam. Il y a des personnes qui veulent le mariage. Mais maintenant, quand tu veux même le mariage, est-ce qu'on t'a expliqué tout? C'est un peu comme si tu restes de loin, tu regardes un mec, il passe, tu vois tous ses abdos chaque jour, tu vois ses abdos. Tu dis que je le veux. Tu ne connais rien du gars. Tu le vois seulement passer tous les jours. Tu dis que j'aime la façon dont le gars s'y regarde sur la photo. Hein. Tu ne connais rien de lui. Hein? Effectivement, Vanessa, il y a des femmes très puissantes. Elles se cachent parce qu'elles ne veulent pas perdre leur mari ou le mariage. Si on met le mariage, on met l'argent. Mais je n'ai pas besoin d'hésiter pour vous dire. J'ai été mariée, il voulait qu'on soit pauvre. I'm so sorry. I am so sorry. Je ne suis pas venue accompagner les gens. Je ne veux pas. C'est comme si je me force à boire le remède qui est amer. Ma grand-mère faisait des potions avec le ndolé, les choses. Je ne veux pas. I don't want to drink. Je ne veux pas. Takanan. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Si je sais que je peux prospérer, je ne vais pas vous mentir. J'ai toujours su que je prospérerai. Il te disait que l'argent, c'est rien. Et il te volait tes économies. Hey, je ne sais pas pourquoi. Lisa, pourquoi ton histoire me touche trop comme ça, là? Hein? «
Ton mari t'a jeté dehors depuis 7 ans. Tu appelles, il ne répond pas. Tu l'appelles encore, pourquoi, Georgette? Tu es folle. Hein? Tu déprimes. Ça ne va pas. Hein? L'autre me dit, quand tu m'as connu, j'étais comme ça. Je lui dis, quand je t'ai connu, tu m'as parlé de tes projets. Je t'ai parlé des miens. Tout ce que je t'ai dit, je suis en train de faire. Pourquoi toi, tu ne fais pas ce que tu m'as dit? Parce que sur le chemin, mon argent était sucré pour manger. J'ai une personne qui est venue faire un commentaire une fois sur mes vidéos ici, là. Et la femme disait genre, oui, depuis que tu étais avec le gigolo là, oui. C'est un compliment, hein. Je vous assure. Il y a des choses de vous que vous ne devez plus. Refuser, renier. Si quelqu'un me voit comme une sugar mami, ça veut dire que c'est un compliment. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à voir ça mal. Ah, peut-être que c'est seulement mes yeux qui ne voient pas bien, je ne sais pas. Hmm? Pourquoi les sugar daddy, genre, vous ne vous moquez pas des sugar daddy, pourquoi? Hein? Inversons les choses. Tu vois un homme qui est âgé. Hmm? Il a sa voiture, il a ses maisons, il a ses business, il est bien. Il sort avec une jeune fille. Les gens vont voir ça genre... Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas prendre la merde? Parce que cette femme n'accepte pas la merde? Quand tu es à côté de moi, tu ne veux pas te mettre au pas, tu quittes. Au chaud. Tu ne veux pas te mettre au pas à côté de moi, tu quittes. Kohoha. Employé, enfant, qui que ce soit, tu quittes. Ami même. Lou. Que ta fille t'a dit que tu es sa sugar mamie. Écoutez, ma chérie, à un niveau même, je ne veux pas qu'on me prenne pour les sentiments. Ne m'aime pas. Parce que si tu m'aimes, le jour où je vais vouloir te chasser, je vais avoir les sentiments que, ouais, il m'aime quand même, non. Si tu aimes seulement mon argent, ça va. Écoutez, moi, je suis free dans ma tête. J'ai mis le ventilateur Pro Max. Ça souffle 24 sur 24. Pas d'embouteillage dans ma tête. Free. Que c'est le quai? Que tu sors d'où? Au Bawa. Au Hakabama. Et tu me donnes l'argent. Ne m'aime pas, pardon. Tu ne fonces pas comme je veux, tu pars. Tu ne fonces pas comme je veux. Ok. Premier amour depuis l'école. Je n'aime même pas le mot amour. L'amour rend faible. Tu suis. Parfois, les gens utilisent le « je t'aime » comme une faiblesse. Je ne sais pas. Les hommes nous ont mal en nous draguant. Ils utilisent la flatterie, pas l'amour. Il y a une différence entre flatter, courtiser et aimer. Ne pas aimer, c'est être malheureux. C'est pour ça que je dis que c'est quoi l'amour d'abord? Pour vous, l'amour, c'est faire l'amour ou quoi? Parce que pour faire l'amour, l'amour, c'est faisable. Piner, c'est pas un problème.
Regardez ce qu'on attend de vous quand vous aimez. Pardonne-lui. Aide-le. Lave ses habits. Prépare pour lui. Fais-lui les cadeaux. Dites-moi tout ce qu'on attend de vous dans l'amour. Si t'as trompé, pardonne. Ça va aller, il va changer. Moi. Vous n'avez pas bien lu ma notice quand je suis arrivée. Vous n'avez pas bien lu ma notice. Mon mode d'emploi, vous avez ouvert le carton, vous m'avez déposé sur la table, vous m'avez branché. Vous n'avez pas lu le mode d'emploi. Vous n'avez pas lu mon mode d'emploi. Vous avez branché avant, vous avez branché, ça fait zzz, 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 mec, c'est quoi ça se passe? Ça ne marche pas, ça marche. Ok, bon, lisons ce que Monique dit. Merci d'avoir pris le temps d'écrire, Monique. Ce n'est pas fait l'amour, ce sentiment qui nous serre le cœur. Quand tu as dit serrer le cœur, là. Monique, est-ce que tu sais que le cœur, c'est là pour pomper le sang? Touche un peu dans... Touche, touche ta part, touche. Touche. Attendez, il va attendre, il faut que je touche ma part. Peut-être que... Ça fait boum, 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 boum. On parlait en ligne, on cherchait les fonctions du cœur. Hein? Attendez. Bonjour Brigitte. Je dois chercher les fonctions du cœur. Parce que je ne connais pas bien apparemment. Je dois chercher les fonctions du cœur. Fonctions du cœur. Fonctions du cœur. Maman, oh, reçois tes documents, oh, tes documents pour voyager, oh, pim 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 pim, eh, ring ding 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 ding, eh, chaque fois que je tombe sur moi, attendez, on cherche le cœur. J'ai vu le témoignage d'une dame ici là. Attendez, ça m'a pris parce que je suis contente pour elle. Attendez, cherchons la, à quoi le fonction du cœur. J'aime moi prendre les choses terre à terre. Vous prenez les choses, vous partez. Fonction du cœur, attendez. Les docteurs, là, vous pouvez m'aider. Hein? Moi, je n'ai pas de soucis. Le rôle du cœur humain. Le cœur fonctionne comme... Hey! C'est Google. Hein? Le cœur fonctionne comme une pompe. Quand il fait le mot pompe, là, j'ai bien dit que ça pompe, non? Attendez, continuons. Le cœur fonctionne comme une pompe. Grâce à ses contractions régulières, propulse le sang dans tout l'organisme et ainsi assure l'alimentation en oxygène du cœur entier. Chaque jour, le cœur pompe environ 8000 litres de sang. Donc, Google a menti. Hein? Monique, Singala. Hein? Monique, dis-moi alors. C'est Google qui a dit, hein, c'est pas moi. Et je crois que les gens font plus confiance à Google qu'à Rennes Lumière. Hein? Si Google te dit quelque chose, ça, tu es sûr que c'est ça. Hein? Que les gars de Google exagèrent. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Le cœur fonctionne comme une pompe. Et maintenant, je connais que c'est 8000 litres de sang. Donc, le seul truc que je peux exiger à mon cœur, est-ce que tu as pointé tes 8000 litres? Il dit oui, tac. Attendez, je bloque quelqu'un. Voilà. Il est jusqu'à les larmes, il est sorti. À la fin de la journée, tu demandes à ton cœur combien de litres? Il dit 8000. Tu coches. Arrêtez. Arrêtez. Imagine si tu apprends ça à ta fille.
Ma fille, quand tu auras l'âge où tu voudras piner, quand il dit comme ça, là, ça me fait bizarre. Est-ce qu'il m'a souvenu de ça, ma fille? Ça va lui éviter les soucis de cœur. Hein? Oui, ma fille. Bon, voilà, chérie. Si tu veux piner, non, attends. Cherchez d'abord ton argent. J'aurais quand même souhaité que quelqu'un me dise ça quand j'étais jeune. Oui. Et non, que wow, un homme viendra, il t'aimera. On nous a raconté ça, non? Il est alors venu. Tu vois, un homme viendra, il te mettra la bague au doigt. Pourquoi je voudrais raconter un conte de fées à ma fille? Hein? Pourquoi? La sagesse ne serait-elle pas que... C'est pour ça que les gens ont critiqué beaucoup Laurie Harvey. Mais j'aime beaucoup la fille de Steve Harvey. 27 ans. Free dans sa tête. Certaines mères, vous savez que vos enfants, vos filles souffrent dans le mariage. Vous le savez. C'est comme la punition. Tu dois savoir dire à ton enfant que ma fille, si ça ne va pas, sache que je suis là. Je te laisserai jamais. Ça ne va pas, ma chérie. Tu viens, même si tu dois t'asseoir encore dans ta chambre où tu étais. Hein? Parfois, tu dis que tu sens que ma fille la souffre dans le mariage. Mais non. Gaëlle, bonjour. Si on nous avait dit ça. Et vous savez, je tire vraiment un chapeau aux parents qui ont tellement rendu les choses faciles pour nous. Si bien que si tu échoues, tu n'as pas peur de repartir avec ton père, dis papa. Il est venu là et qu'il voulait m'épouser, mais en fait, c'était pas ça. Il dit, mais ma fille, ne t'en fais pas. On va au bar, on sort. Tu veux le jus? Et ceux qui en a parmi vous, vous avez les patins comme ça. Ton père est tellement free. Hein? Tu veux le jus, ma fille? Viens ici là, viens pas. Un gars t'a fiancé et traumatisé. Papa dit, ma fille, vous n'êtes que deux. Je prends où jusqu'à... Voilà, il a compris que sa fille avant tout. Sandrine, tu as bien parlé. Il faut bien lire. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens que c'est le jour où ils sont devant le maire qu'on leur dit les clauses du mariage? Hein? Hmm? Même avant d'avoir l'enfant. Ce n'est pas avec n'importe quel homme que tu dois avoir l'enfant. Certains enfants, tu accouches avec un homme comme ça, c'est les problèmes pour au moins 30 ans. Jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte et on arrête de parler de son père dans la maison. Éricia, tu veux l'eau jus? Hey, tu pars au boulot, hein? Ok. Le fait de savoir que... Parce qu'il y a parfois des mariages où quand on te porte... Maman ne t'a pas montré parce qu'elle te cachait comment elle souffrait ton père. Papa lui-même n'a rien dit. Comme le jour où tu te maries, après on te lance à ton mari. C'est comme ça que tu commences à souffrir.
Quand tu pleurais pour le père de ton enfant, ton père dit fais mouf. Il n'a dit mouf sur ça, non. Le bon, bon père, c'est le mouf là qui me plaît. Ferme ta bouche et avance. Mentalement, si une jeune fille savait que... Parce qu'il y a aussi des familles qui prennent les enfants des gens. On commence à sucer ton énergie. Comment t'as doté là? C'est pas toutes les femmes qui sont dans les foyers qui sont aimées. Comment t'as jeté là-dedans? Il se passe n'importe quoi, tu supportes. Tu imagines ce que c'est que de ne pas pouvoir parler? Tu imagines ce que c'est que de ne pas pouvoir de souffrir en secret? Hé, hey, Seigneur. Parfois, tu viens, tu veux parler. Hé, hey, tu te plains pourquoi? Ta mère dit que moi-même, je souffre ici à la maison, non? Imagine, tu commences à 27 ans. Merde. Merci. Je vous ai dit que je serai votre tata, la grande soeur qu'on ne vous a pas donnée là. Tu as une relation avec un homme qui ne te calcule depuis longtemps. Lance ton business, ma chérie, qui va te donner un peu d'argent. Oui, je sais que vous pensez seulement à la relation. Lance un business. L'énergie que tu mets sur l'homme-là, si tu mettais ça sur ton business, ma chérie. Et quand tu subis une séparation, tu traverses une séparation, ne te vois pas mal. Quand tu traverses une séparation, ouais, maman, j'ai échoué. Ouais. Maman, si c'était tes pieds, si tu rentrais avec les pieds devant. Hmm? Maman, quand tu manges ton propre, tu as bien dit ça, Amber. Quand c'est ton propre argent que tu manges, ça a le goût. Quand tu achètes le porc à Badjoum avec ton propre argent, c'est un peu un gars qui t'a acheté le porc. Hein, chérie? Et Kisha Annabelle. Quand tu manges le couscous au jaune de 1700 que tu as mangé, tu as acheté avec ton argent, mamie. Ça a le goût. Couscous Ndjabcha. Que c'est ton argent qui a dépensé. Oh non. Ah, punga. Eh, Dieu. Souvent, en mangeant ça, tu as te dit, je sais qu'après, on va vouloir qu'on mange, qu'on va manger le chocolat. Et c'est ceux qui me calculent pour poupiner. Après, tu veux le jus? Tu dis oui. On te donne le jus, tu bois. En buvant, tu es là comme ça. Là. Il va vouloir faire ça toute la nuit. Il va pas vouloir qu'il me repose. Parce qu'on t'a acheté le pot. Hein? Il y en a que le chocolat que ton gars te donne, ça, tu n'aimes pas vraiment ça. Tu n'aimes pas faire ça tous les jours. Hmm? Mais il veut tous les jours. Comme il t'a acheté le jus, tu fais quoi? Tu es là. C'est ce qu'il va vouloir faire à 22h et à 5h. Alors que c'est à 5h qu'il fait mon bain de pipi. Il veut qu'il reste au bar ici là toute la soirée pour qu'il bavarde avec ses amis. Hmm? Et tu m'as encore le jus? Apporte le jus. Je fais les choses. Hein? Parfois, c'est comme si j'ai vécu même 5 vies. Avec mon petit âge, là. J'ai exposé les pensées des femmes ici. Il m'a invité au cristal. Hein?
Il m'a invité au cristal, je dois partir. Tu arrives là-bas. Quand tu as été manger la nourriture de 18 000, ou le buffet de 30 000 le dimanche. Il faut que je boue bien mon ventre. Le buffet, c'est que tu as payé là, comme tu veux récupérer ça tout à l'heure là. Tu vas voir, je vais manger. Donnez-moi encore le vin, s'il vous plaît. Il faut qu'elle traîne ici au bar, comme ça il va voir que ça, on va l'entendre, sera fatigué. Il va pas vouloir me toucher aujourd'hui. C'est seulement à 5 heures qu'il va me toucher. Messieurs qui m'écoutent, les hommes qui m'écoutent, ça c'est les pensées qu'il y a dans notre tête. C'est ce que nous pensons. C'est pour ça que vous voyez, les femmes mangent souvent beaucoup. Parce que... Oh, yeah, yeah. Elle est comme ça. Tu es devant toi, devant elle, elle te regarde. Elle est comme ça. Il nous trouve fait l'amour. On a fait l'amour hier soir. Je suis qu'il va qu'on voulait faire ce soir, qu'on va rentrer. Tu passes sur le menu. Je veux les gambas, 18 000. Oui. Apportez-moi un autre plat d'entrée. Je vais bomber la facture, tu vas voir. Il va vouloir me toucher ce soir. Il faut que je mange beaucoup comme ça. Quand il va vouloir me toucher, il dit que mon ventre me fait mal. Je suis plein. Si je me touche, mon... la loutre va se couler dans mon ventre. Dès que tu rentres, hein, pendant que le téléphone est devant la télé, tu peux vite te laver. Tu portes le cabas. Si tu mets le caleçon ou tu donnes là, il va vouloir te toucher. Tu mets le cabas, tu es dans le lit. Dès qu'il arrive, bé, tu ne réponds pas. Alors que tu ne dors pas encore. Hein. Il t'appelle 4-5 fois. Tu fais comme si tu n'entends pas. Tu es là, je dis, ça, tu expectes. Ouais, il ne dort pas aussi. Dors, non. Dors. Tu es dans ton cœur, tu dis, oh, tu m'appelles, il ne comprend pas, tu ne comprends pas. La polyandrie est bien, hein. La polyandrie est bien. Laurent, c'est derrière, c'est des habits, tu as pleuré que tu as la fièvre, hein. Que j'ai mal au dos. Tu sais, mes règles arrivent. Ah non, si tes règles arrivent, on doit faire avant que ça vienne, hein. Non, on fait aujourd'hui. Ouais, Seigneur. Quand les enfants là vous voient souvent, vos enfants de 14 ans vous voient, ils ne savent pas que vous avez fait des choses. Hein. Ils ne savent pas. Il faut souvent demander à vos enfants que vous croyez qu'ils vous ont accouché comment? Je vous ai bu dans l'eau. Hein? Demandez souvent à vos enfants. Comme ils croient que vous êtes sainte là. Maman, je n'ai jamais vu ma mère avec un homme. N'est pas, on a supprimé, on a fait on a enlevé la partie chocolatée de ta mère, on a jeté. Hein? N'est-ce pas? On a jeté, n'est-ce pas? Ah, c'est une vidéo. Si tu as le numéro de M. Vito, il faut l'appeler pour savoir à quelle heure il arrive. Ok, appelle-le s'il te plaît. J'ai juste fait beaucoup de choses vite.
Donc, on a, ma vie était à la sérénité. C'est comme ça. Oui. OK. Hello from Manchester. How are you? How are you doing? Oui, pour les bureaux, j'ai demandé que vous montez aussi à ceux de marketing. Oui, le bureau de publication. On devrait aussi prendre leur bureau. Mais on observe tout ça aujourd'hui. On observe. Les achats vont commencer la semaine prochaine. Donc, montez-leur, ils font aussi leur choix. Attendez, je dois brancher le chargeur ici. I'm very good, Joss. Thanks. Avant qu'on commence à parler de... J'étais en train de vous amener sur ce point. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser... Quand on est célibataire, on croit que faire l'amour. On croit que faire l'amour, c'est le plafond. Entre dans le mariage, ça devient la torture. C'est ça. Bissez-moi. Le... Je me suis juste rendu compte que quand tu commences à dire que tu vas travailler sur toi, l'amour prend du temps. I'm so sorry. It takes time. I need to talk to you. I need to plan what you're going to eat. I need to make sure you're okay, you're in a good mood. Je dois m'assurer que tu dois, de ce que tu dois manger. Je dois m'assurer de... Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Je n'ai pas le temps. Même avoir un homme dans la maison, l'énergie seulement de l'homme. Tu te lèves au lieu de te concentrer sur les vidéos peut-être. Donc voilà, il va manger quoi? Il faut qu'il ne peut pas pour lui. Il faut que, oh ça va, il vient, il se couche, il est un peu, oh ça va, tu n'es pas de bonne humeur. La femme est une personne qui a, je suis désolée les hommes, je parle pas, je crois qu'il y a trop de vidéos qui parlent juste aux hommes. Donc c'est pour ça que mon contenu est essentiellement dirigé vers les femmes. Je ne suis pas féministe, mais je soigne les gens en fonction de mon expérience. Donc du coup, j'ai plus de facilité à parler pour les femmes. Mais ça n'empêche que tu peux être un homme, tu écoutes ce que je dis. Donc, je me suis rendu compte que la femme a cette capacité de vouloir toujours arranger les choses. She wants to make things beautiful. Elle veut faire que les choses soient belles. Et elle est capable de seule de s'oublier pour l'autre. Pour ses enfants, pour son mari. Et... L'amour que tu portes pour tes enfants ou pour ton mari, à quel prix? Il y en a, vous avez déménagé pour d'autres pays à cause de vos enfants ou de votre mari. Youms, à un moment, j'avais aussi peur parce que tu as dit, j'ai perdu l'envie de vivre avec un homme. J'ai tellement envie de faire un contrat. Genre, il y a le contrat de mariage, mais on a aussi notre part de contrat. Je vous dis encore, pensez à la polyandrie, les filles. Plus de femmes ont les moyens ces derniers jours. Les hommes pouvaient être polygames parce qu'ils avaient les moyens. Et si vous avez remarqué, l'homme polygame, quand il vient ici, c'est bon. Le jour où ça fait un peu un jar, il part à côté. Quand ça fait un peu un jar, il revient ici. Ou bien il part à la troisième case. Le temps que tes humeurs se calment un peu. Être 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'année, avec une même personne. Parce qu'il y a les humeurs, il y a les choses qui vont remonter. On ne les évite pas, on ne les fuit pas, mais vous savez tous qu'il y a des personnes qui n'ont pas une gestion des conflits qui est abordable. Quand il y a un problème, ah, tu viens de recevoir ton kit fondation, Tini. Attends, je bénis ton kit. Polyandrie, ça ne veut pas dire que vous dormez dans la même maison, hein, chérie.
L'homme là avait toutes ses cases, non? Hein? Règle numéro un. Et si on met les règles de la polyandrie? Je bénis d'abord, je bénis ton kit et ton travail. Ok? Que toute malédiction familiale qui t'a bloqué soit enlevée, comme tu vas faire ce travail. Tu peux, pour parler de polyandrie avec ton mari, c'est chaud, ma chérie. Vous avez déjà commencé sur une certaine base. Ah, tu as aussi reçu tes produits il y a quelques jours. Ceux qui demandent pour les produits, allez dans ma bio, vous prenez le numéro. Les produits sont disponibles. On poste aussi dans tous les pays. Bonjour, je ne réponds pas aux questions. Je vois que ma secrétaire vous parle, mais vous dites que la reine n'est pas disponible. Vous voulez savoir la signification de quoi? Mais attendez, allez sur Google, non? Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que j'ai le temps pour venir répondre à vos questions personnelles sur WhatsApp? Je fais du business, hein? Vois-moi l'autre, que j'ai des questions à poser. Mais va sur Google. Il y a des choses que vous pourriez avoir sur Google sans passer, sans venir me déranger. Règle de la polyandrie. Tu me donnes d'abord mon espace. C'est pour ça que on doit avoir l'argent. Toi, tu choisis ta vie. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas être riches. J'explique. Être riche demande un mode de vie. Ça demande un changement dans la façon de faire. Et ce n'est pas tous les hommes qui sont prêts. Hein? Dieu ne vous demandera que ce que vous avez demandé au fond de vous. J'ai demandé les tâches. Elle doit avoir les tâches. Qu'est-ce qu'elle est? Laver ses habits, nettoyer sa chambre, classer ses choses. Nanana, je veux des tâches. Si je n'ai pas les tâches là dans une heure, je vais te pénaliser 1 000 francs, ma chérie. Voilà. L'emploi de temps est fait, c'est bon, mais je veux les tâches. Attendez. Je gère aussi mes gens en attendant, entre temps. Attendez, je dois envoyer un message à quelqu'un. On m'a apporté une télé aujourd'hui là. Une télé 75 pouces. J'ai hâte de voir Netflix sur cette télé-là. J'ai acheté ça en business. Attendez. On va me livrer ça tout à l'heure. Il y a même les bonnes choses. Hein. Bon, je parlais des richesses. Je parlais des richesses. Ok. Tu peux rencontrer un homme. Le boulot qu'il fait. Ou bien les pensées qu'il a. Hein? Ce sont les choses qui l'amènent jusqu'à un certain niveau. Supposons, ça va faire qu'il tourne dans 500 000 le mois. Croyez-moi, pour que tu aies un revenu de 20 millions le mois, ça veut dire que tes actes, ton quotidien, doit être plus chargé. Hmm? Donc, tu rencontres l'homme au départ. Bon, voilà, je vais avoir une grande villa. Tu passes devant une maison avec lui, tu dis que tu veux déjà la maison, sinon, c'est ça que moi, je veux avoir un jour. Ouais. Écoute-le à ce moment-là. Écoute ce que le gars l'a dit. Ah non, pourquoi? Regarde l'espace. Il fait quoi avec le jardin? Non, 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 c'est trop grand. Non, 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 regarde. Il a mis les têtes des animaux là-dehors. C'est pour faire quoi? Regarde la lumière qui dépense pour faire que la fontaine fonctionne. Mamie, si tu aimes trop le gars-là, donc c'est le meilleur pineur que tu aies de toute ta vie et que vous voulez rester ensemble, sache qu'il aura son appartement. Il va payer maximum 70 000 le mois. Tu vas souvent venir le visiter. Mais s'il vit avec toi dans ton manoir, parce que tu l'auras ton manoir, ma chérie. Les choses que tu rencontres dans la vie, c'est pour te montrer le succès qui est possible. Voilà, là, voilà, là, voilà les pauvres. Vanité de vanité. Avant que Salomon ne dise vanité, Salomon était le roi le plus riche, mamie. Seigneur, je veux d'abord goûter avant de dire vanité. Tu as compris, chérie? Je te fais même bisous. Tu as compris, bébé Daniel? Avant que Salomon ne dise que vanité de vanité, tout est vanité, il avait goûté. Je vais goûter. Je veux la bière. Il ne boit pas le jus. Laissez-moi.
Oh non. Ne l'insultez pas, je vous en prie. Elle a exprimé, elle s'est exprimée. Je vais vivre les vanités. Je vais entrer dans le jet privé. Je vais vivre. Je vais vivre. Pardon, laissez-moi. Go, manger vanité. Hein? Je vais boire le mendip. Oui, comme M. Abesso le dit. Que madame, on veut le mendip. Je veux le mendip. La playa, bonjour. Je veux que goûter. Go, goûter. Voilà. Vous allez parler mon patois. Vous parlez même de quoi? Donc, je continue. Youms, on a dépassé première classe. On vise le jet privé. Je dis que on vise le jet privé. Ça va me porter. J'arrive comme ça là. Dans le vol. Et je ne filme pas. Je ne fais pas de vidéo pour montrer que je suis le jet privé. J'enjoy. Je respire les chaises du jet privé. Oui. Ça entre dans mon corps. Pas de téléphone. Oui. J'enjoy. Bonjour Sandrine, bienvenue. Je crois que les jets commencent à partir de 16 milliards de francs CFA. C'est abordable, c'est faisable. C'est faisable. Tu crois qu'on dit 16 milliards, c'est ton argent que tu es parti chercher en une fois pour finir donner. Hein? Jolie qui était manqué. Ainsi. Non, moi aussi je veux. Je veux le jus. Non. Moi, je ne veux pas le jus. Je bois la bière. Si tu ne veux pas la bière, tu laisses. Donc, il te parlait de ton gars. Hein? Il y a un début à tout. Il y en a que vous m'écoutez, vous n'avez même pas le passeport. Un jour, tu auras le passeport. Un jour, tu vas acheter le billet d'avion, tu vas entrer dans le truc. Dans l'avion. C'est étape par étape. Après, tu commences à dire qu'il me faut prendre l'hélicoptère. Après, tu dis qu'il me faut prendre le jet privé. On va étape par étape. Le gars là que tu as vu quand tu lui as monté la grande maison, il a commencé à dire qu'il. C'est juste que tu restes avec lui. Sache qu'il ne va pas permettre que tu aies l'argent. Il ne permettra pas que tu aies l'argent. Je vous dis simplement. On t'a pas fait le retour par rapport à quoi? Écris maintenant, mes secrétaires viennent de commencer le travail. On t'a pas fait le retour par rapport à quoi? Les gens qui boivent le jus là, qui veulent me déranger. Vous venez ici là dans mon direct. L'autre jour, une femme a porté. Elle a porté quoi? Une femme a porté l'autre jour. Elle a payé 20 000, non? Qu'elle travaille sur elle, elle voulait faire que son gars revienne. Elle lui dit que j'ai fait le travail. Hein, non, je vais dénoncer que c'est l'arnaque. Il dit, mamie, tu bois le jus, je suis sûr. Et d'abord, premièrement, rembourser. Je ne l'ai pas insulté parce que ça ne valait pas la peine. Et je l'ai bloqué. Donc, je ne fuis pas. Je suis là, écoutez, je suis là depuis. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Hein. Quand vous êtes tombé sur ma page, souvent, je serai à 15 millions d'abonnés. Donc, ne croyez pas que je connais là où je pars. Ne pensez pas que c'est pour 20 000 ou pour 40 000 qu'elle veut venir, il fuit quoi? Je suis à 20 000 près. Oh non. Kota Kanon. Bon, crée-moi un autre email. Crée-moi une autre adresse email. Et après ça, tu t'ajouteras comme gestionnaire. C'est-à-dire que tu pourras avoir accès. Parce que regarde d'abord l'option de mettre quelqu'un comme gestionnaire. Soit tu crées un email fictif, tu commences à poster, on voit ce que ça donne. Tu vois, tu comprends que tu t'entraînes, quoi. Je préfère ça. Je vous ai parlé de polyandrie. La forme, le but de la polyandrie, c'est que
on ne t'empêche pas de poursuivre tes objectifs. Et le mode de vie qui va te permettre d'avoir le manoir. Éloge, j'étais trop supporté. Je te bloque. Tu me suis. Donc comme j'ai mis, j'ai mis ça. Ça tombe, tu viens dire que je suis belle sans ça. Hein. Je te bloque. Voilà, tu te bloques. Tu bois le jus. Les gens de ton âge boivent la bière. Tu es là, tu vas me déranger. Attends, ils te cherchent, ils te bloquent. C'est un jour, tu as rêvé de moi, je faisais quoi? Hein? J'ai la liste des cartes est longue. J'ai les cartes à lire jusqu'à. Ma liste d'attente de lecture de cartes, là, c'est flop. Le mariage, généralement, faire les enfants, ça prend du temps. Faire les enfants prend le temps. En fait, parfois, les gens sont divisés, ils sont un peu mitigés. Je veux ça. Mais tes actes, ce ne sont pas les actes de ce qui va te donner ce que tu dis que tu veux. C'est comme un homme qui te dit qu'il t'aime tous les jours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu ne vois aucun acte. Donc, il faudra que cette personne te laisse poursuivre tes objectifs. En fait, la personne vit sa vie, tu vis ta vie. Vous voyez quand vous voulez faire un échange d'énergie. Mais dans la vie de tous les jours. Parce que faites attention aux personnes qui vous accompagnent ou qui vous entourent. Même si vous êtes dans la même maison. Faites très attention. Et pour pouvoir arriver à un certain statut financier, il faut que ton énergie soit toujours high. Il faut être quelqu'un que tu as la capacité de t'auto-motiver. Je te lève le matin comme ça. Là. Hey, let's kick it. Yeah, yeah, ho, 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 ho. Elle arrive. Tu n'as pas lavé mes caleçons, pourquoi? Hein? Les enfants n'ont pas mangé, pourquoi? Mais papa, tu sors d'où? Frédéric Simo, derrière. Et quand il voit que tu es, hé, hé, ce n'est pas bon. Parce qu'il veut te casser. Il veut te casser. Il faut qu'il casse ta joie. Oui, il n'y a pas de. Alors qu'il y a la machine à laver, lui-même il a les mains. Lui-même il a les mains. Choisissez bien. L'affaire là, c'est délicat. Et je crois qu'après avoir essayé pour beaucoup d'hommes, tu te rends compte en fait que c'est parce que ce que tu recherches dans une relation, on t'a menti à propos. L'amour trop intense n'est pas censé venir d'une personne. Parce que là, on parle de quelqu'un que lui-même, il est aussi en processus de guérison. Il cherche aussi l'argent. Il se défend aussi. Non, tu veux qu'il t'ouvre la Range Rover. Tu veux qu'il te fasse cesser. Tu veux que gaz. Tu demandes au-dessus de ses compétences. Il est sous-qualifié par rapport à ce que tu demandes, chérie. Sergio. Ok. Bonjour, Adoun Siba du Bénin. Sergio, je ne suis pas ici pour interpréter tes rêves, même s'ils sont des rêves où je suis dedans. Tu as compris, chérie? Chérie, tu ne peux pas être sa ménagère, sa cuisinière. Et tu as du temps pour construire son enfanteuse. Est-ce que vous saviez que... J'ai regardé des films d'ancien temps, là. Où il y avait les... Quand la reine accouchait,
C'était une maman qui allaitait, une autre maman qui allaitait son enfant. Donc, c'est pas la reine qui courait tout le temps quand l'enfant pleure. Nya, prends le sein, prends le sein. Nya, prends le sein. C'était pas la reine. Regardez quand Moïse, par exemple, quand la mère de Moïse l'a accouchée, elle l'a mis dans l'eau. La Bible dit que quand la fille du pharaon l'a récupérée, elle a donné aux nanis. Et les nanis faisaient jusqu'à les nounous. Elles allaitaient même. Olga dit qu'elle ne se fatigue pas de m'écouter. Il faut ouvrir votre esprit, mesdames. Vous allez faire le botox sur vous. Vous allez faire la chirurgie à 50 ans. Quand tu vas rentrer au village, ton ex va te voir comment tu vas dire comme ça. Là. Okay. Hey. Mais quand j'étais avec toi, tu as fait 5 enfants. Tes seins étaient tombés, non? Hein? Ma chérie, laisse. Il voit le J. L'homme là voit le J. Il y a le ventilateur dans mon cerveau. Il y a que j'ai le ventilateur. Okay, je n'ai pas la pression. Une femme neuf ne peut pas être avec un homme 7 ou 8. Hein. Elle a automatiquement cherché un homme 11. Le problème, quand tu cherches un homme qui est 11 ou 12, hein, mamie, attends, je t'explique. L'homme 12 va vouloir t'appuyer. C'est pour ça que les hommes qui ont un certain statut, ils partent toujours prendre des femmes qui ne sont pas aussi éveillées qu'eux. Parce qu'il y a cette sensation de vouloir toujours dominer sur la personne. Je vous dis. Et on connaît tous la sensation qu'on ressent quand on est là dans une relation. Tu as une relation avec un homme. Après quelques temps, tu as tendance à vouloir. J'ai préparé pour toi. Je dois faire le marché. Bébé, tu as mangé. Mouf, ne mange pas. Hop, non, j'aime ma femme parce qu'elle prend soin de moi. Va te chercher une nounou, monsieur. Je ne sais pas pourquoi quand on parle de femme, une femme neuf doit chercher à aller à 12, 13, 14, 15, jusqu'à arriver à 20. Concentrez-vous sur votre évolution personnelle. Tu veux mon numéro? 6, 93. 50, 22, 66. Une femme neuf doit être. Ce qui doit suivre, ce n'est pas avec un homme comme de 1-1. Doit être au niveau 12 comment? Ou comment est-ce qu'elle doit faire pour arriver au niveau 15? Je ne suis pas anti-homme, mais je suis pro-développement personnel. Je suis pro développement personnel. Si quelqu'un te voit aujourd'hui, il te voit dans 3 semaines, il dit, mais elle a changé. Je regarde certaines de mes vidéos de l'année passée, que j'ai fait, ça fait 6 mois. Mais je vous assure que j'ai changé. Hein? Même les vidéos que j'ai fait en décembre, quand il me disait, non, j'ai changé. Moi, j'ai changé, pardon. Le premier. Les senteurs là, c'est pour mettre dans quel bureau, papa? Raconte-moi, c'est la liste de quel bureau? Vous êtes dans un bureau, dans une surface de travail de 15 mètres carrés. Vous voulez que j'achète 5 senteurs, 3 désodorisants? Ne vous amusez pas et moi, hein? Et les employés, souvent, vous pensez que c'est comme c'est mon entreprise qui sponsorise tout ce que vous faites. Je t'envoie pour aller acheter quelque chose en route.
Tu prends plus d'argent sur mon taxi, tu rentres, je coupe sur ton salaire. Le trajet que tu fais généralement à 1000 francs, comme c'est l'entreprise qui paye, j'ai pris le taxi à 2000. Mamie, je connais que c'est 1000 francs. Je coupe 1000 francs sur ton salaire. 1000 francs, je paye. Vous buvez le jus, tu ne bois pas le jus dans mon entreprise. Bon, j'ai regardé, c'était un rapport de mes employés là. Une femme doit chercher comment se développer. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi vous pensez toujours que l'homme. Pourquoi tu es sorti du ventre de ta mère seule? Hein? Même les jumeaux ne sortent pas au même moment. Même si on fait la césarienne pour étirer les jumeaux. Vous avez vu deux têtes sorties du truc là en même temps? Arrêtez. Joyce, écris, demande à la personne qui a écrit ici, femme neuve. Tu as compris? Parce que vous avez commencé à faire de ça une traîne pour venir me déranger. Femme neuve ou femme dix, ça ne donne pas l'argent. Toute question qui ne me donne pas l'argent, ça ne reste pas dans ma tête. Ça ne reste pas dans ma tête. Ça ne donne pas la bière. Ou ça ne donne pas. Je bois la bière, ça ne donne pas la bière. Je vous ai dit que je ne vous achète pas les ordinateurs. Enlevez-moi les 600 000 que vous avez mis sur le truc. Enlevez ça. Je n'achète pas vos ordinateurs. Vous êtes en période de décès. Et ne m'énerve pas, monsieur. Voilà. Si ta seule façon de narguer les gens, c'est de leur montrer... Je suis en relation. Je crois que la voiture, la maison, quelque chose d'autre comme ça, là, c'est mieux. C'est un engagement plus permanent. Regardez les immeubles que j'ai construits. Regardez. 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 Oui. Joyce, tu es sur le chemin pour que je te bloque. Tu as compris, Joyce? Et tu cherches d'abord. Je crois que tu bois le jus. Tu crois que tu vas venir m'embêter. Malheureusement, dans votre quotidien, il y a des gens que dès qu'ils se lèvent, ils commencent à parler d'argent. Dès qu'il se lève, ok, je fais comment pour avoir de l'argent aujourd'hui? Chérie, comme tu es en train de m'écouter là, quelles sont les stratégies que tu as pour pouvoir te rapporter de l'argent aujourd'hui? Dans ton appel, tu as prévu faire quoi? Donc tu es en train de réfléchir, mon homme, l'homme, n'est-ce pas? C'est ça, non? L'homme. Depuis que tu réfléchis là, ça t'a donné quoi? Voilà, Diane est partie acheter sa marchandise pour revendre. Il faut pointer aujourd'hui, Diane. J'ai 400 personnes connectées. Sur les 400, il y a peut-être maximum 20. Qu'on a un moyen que non, aujourd'hui je vais faire ça pour que ça me donne l'argent. Bonjour Grâce.
Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous savez que vos gars-là, c'est la distraction? Tant que tu n'as pas positionné ta vie de telle façon que tu peux poser des actes qui vont rapporter quelque chose. Si les femmes vont jusqu'à l'étendue de venir payer pour que leur gars revienne vers elles, des retours d'affection. Pourquoi tu ne peux pas te lever le matin? L'énergie là, tu investis ça plutôt sur ton business. L'homme n'aime pas que sa femme passe devant lui. Il commence à chercher des problèmes. La nourriture est trop salée. Mamie, c'est ça. Parce que tu es concentré sur ton soi-disant business. Voilà la parole là-bas. Tu as travaillé non-stop. Travaillez, je vous encourage à travailler. Plus vous travaillez, plus vous allez payer mes produits. C'est comme ça. Donc quand ils vous conseillent, ne croyez pas qu'ils vous conseillent seulement parce que je préfère conseiller quelqu'un qui est riche ou conseiller quelqu'un qui est pauvre. C'est pour ça que c'est impératif pour moi que vous ayez l'argent. Vous me suivez? Voilà, tu dois ouvrir un compte bloqué pour mettre l'argent dedans. Super. Depuis le matin, tu l'as écrit même 5 fois. Bébé, tu fais quoi? Bébé, bébé. Tu as raconté votre histoire, l'histoire de votre séparation à 4 personnes. Tu vis dans le passé, chérie. Il est impératif pour moi que vous soyez en forme mentale et financière. Sinon, tu vas me follow avec quoi? Si j'organise et je dis que voyageons pas à Dubaï, voyageons pas à tel endroit, il y a voyageant. Quelqu'un vient juste comment me dire que oh, tes services, c'est seulement pour les gens qui sont riches. Parce que je crois que si tu commences à m'écouter, tu vas devenir riche. Je ne pense pas que vous êtes fait pour la pauvreté. Je ne pense pas que Dieu vous a créé pour être pauvre. Maintenant, si tu le crois fermement, qu'il en soit fait selon ta croyance. Oui. Je ne peux pas t'empêcher, chérie. L'autre jour, j'ai parlé de l'autre. Il y a une dame qui a dit que car hôtel, elle était sérieuse sur ça. Elle est venue là même pour qu'elle lave ses enfants. Elle m'a dit que mamie, car hôtel, on part, car hôtel. Je vous ai dit que j'étais au Tajidor l'autre jour. C'est vous qui voulez vous stresser. Pour mieux vivre, on n'économise pas seulement. On fait rentrer plus d'argent. Passe une semaine en te demandant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour monter les sous? Qu'est-ce que je peux faire pour monter les sous? Qu'est-ce que je peux faire pour monter les sous? Qu'est-ce que je peux faire pour monter les sous? Allez, répétez après moi. Allez-y. Je n'entends pas. Allez-y. Nous voilà. Je veux que mon gars revienne. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux qu'on te pine sur le lit en bambou. Ça balance. Hein? Tout ce qui t'intéresse là-bas. Continuez. Mon gars, est-ce qu'il m'aime encore? Mof! Get a grip. Quand on touche le téléphone dans la journée, même la qualité de téléphone que tu touches, chérie. Hein? Ça, c'est le téléphone de combien? 70 000. Quand tu touches déjà ça, ça fait comment? Hein?
J'ai comme ça là trois. Ça, j'ai un. J'ai encore envie d'acheter un comme ça. C'est pour le boulot, hein. Tout ça c'est pour travailler. Les gens vont croire que c'est pas pour crâner, c'est pour le travail. Quand vous portez beaucoup, beaucoup de téléphones, ça, c'est pour bosser. C'est pas pour crâner, je crains que j'ai besoin de vous impressionner, je m'en fous. Ce que tu penses de moi ne t'influence pas mon compte bancaire. Ce que tu penses de moi n'influence pas mon compte bancaire, ni mon compte Orange Money. Oh la reine, tu es gentille. Vous avez reçu 500 000. Non, je suis désolé. Dépôt de 500 000 effectué. Oh bébé, je t'aime. Je t'ai fait un dépôt de 5 000. Voilà les argent que vos gars vous donnent. Je t'ai déposé 25 000 sur le compte. Un jour, quelqu'un me drague. Il me dépose 2000. Achète le jus avec. Je n'ai pas répondu. Mes doigts pouvaient glisser, ça. Ça insulte un peu, genre. Je ne l'ai pas renvoyé. Certains comme ça là, j'ai connu ça, ils font la psychologie inversée sur toi. Ils te rencontrent, ils savent que financièrement, ils ne peuvent pas tenir. Ils font semblant de te donner un pour que tu lui donnes 500. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais 500. Le jour de ton anniversaire, la chaise arachide de 1500. Je m'excuse, j'ai subi trop. Les pauvres m'ont traumatisé. J'ai été un peu traumatisée. Les arachides de 1500. Il vient et t'offre. Deux semaines avant son anniversaire, il commence à toucher ton téléphone. Oh, j'aime le téléphone si c'est léger. Hein. C'est vraiment... Le pro là est trop grand. Il compare. Mais regarde. Tu vois, ça c'est une bonne taille. Vraiment. La taille de ton téléphone, c'est là, c'est bon. Hein. Regarde. Tu vois, c'est compact. Ça peut passer dans ma poche. Vous comprenez la suite? Monique Mouto, elle a déjà quitté. Je demande que mes... Tu sais pas que vous t'en investissez pour s'offrir les arachides. Hein? Parce que c'est que tu as attentionné. Tu vas vouloir faire l'extra pour lui. Surprise! Oh bébé, t'as fait la fête pour moi. Fallait pas. L'autre là, l'homme gagne. Quand tu réclames le cadeau, on te dit qu'on t'aime comme ça. Un jour, j'ai dit à l'autre que prends mon argent, achète-moi le cadeau que tu me donnes. Fais semblant.
à comportement de cafard, réaction de babouche. That one is a good one. Prends mon argent. Achète mon cadeau, tu aimes le. Oui. À mon anniversaire, c'est ce que fait avec mes filles. Je donne l'argent. Je dis, allez m'acheter au cadeau d'anniversaire, vous m'aimez le nez. Oui. Gonfle devant les amis. Oui. J'ai été une fois avec l'autre comme ça. Je suis sorti avec certains gigolos. Hein. Oui. Donc, si quelqu'un veut venir m'insulter avec ça, ne te dérange pas. C'est un compliment pour moi. C'est pas tout le monde. Comme tu penses que je suis vulgaire, va essayer, on voit alors. Tu vas d'abord lui donner quoi? Hein? Tu vas lui donner quoi? Je continue. Monsieur le fait me dit que je veux conduire. Il dit, mais attends, on te fait le permis de conduire en bonne et due forme, tu passes tes cours de conduite. Non, je connais déjà conduire. Il voit mon chauffeur. J'ai vu le chauffeur qui m'apprend à conduire, on a déjà commencé. Il m'a dit que ce que vous commencez là, ça va finir au commissariat. Un jour, je reste. Il me dit, est-ce que tu sais que je viens de t'avouer? Il y a cela 3 mois, j'avais pris la voiture, je suis sorti avec elle. Il regardait comme ça. C'est pour aller crâner, non. C'est pour faire des snaps dans la voiture, non. Quand vous rencontrez un snappeur, fuyez. Vous suivez? Parfois, il me dit que si je documentais tout ce que je fais, je vous me montrer en photo. Pas besoin. Tu ne peux même pas être mon ex-papa. Aucun de mes ex ne met la cravate. Ou c'est la chemise, ou c'est la cravate que tu as mis. Apprenez à avoir le bon focus. Parce que toutes ces personnes, quand vous levez le matin, tu lui demandes, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée? Il se réveille d'abord à 9h. Tu es réveillé depuis 5h, 5h30 maximum. Que je chasse, ce sont les pieds plats. Les mains, là, vous avez les nemo. Hein? J'imagine une mère au marché qui est en train de m'écouter, elle est en train de rire. Bonjour à tous les mères qui sont à l'attaque là. Avec les écouteurs dans les oreilles. Hein? Tu vas arriver jusqu'à. Il se réveille à 9h. Tu lui demandes que qu'est-ce que tu comptes faire de ta journée? Parle. Ou je vais aller regarder. J'ai rencontré un autre une fois. On lui a pris. Quelqu'un lui a escroqué 40 000. Je lui dis, ne perds pas le temps pour réclamer tes 40 000. Je double la somme. Je te donne. Avance. Il a préféré aller perdre 2 jours pour aller porter plainte à la personne. How silly is that? Je donne l'argent d'abord, tu gardes. Et tu peux encore porter plainte. Et tu perds 2 jours de travail. Pourquoi? Why? Why do you do that? Je me réveille le matin, tu vois comment il bosse. Tu vois mon rythme de travail. Tu me fais tourner dans le lit. Comme tourner les reins. J'ai suivi un TikTok l'autre jour. Je vais voir ce que... Contacte M. Mbala. Il va trouver une de mes photos. Il va t'envoyer. Contacte M. Mbala. Oh, je dois absolument faire un photoshoot.
Bonjour madame ou monsieur, on vous retourne l'argent comment s'il vous plaît? Vous savez que je rembourse les gens avec plaisir. Vraiment. Donc donnez-moi un wave ou quelque chose comme ça. Je vous remercie chaleureusement madame. Je rembourse avec plaisir. Hein. Je ne pensais pas que... J'ai dit à mes employés, je ne sais pas pourquoi vous suppliez tous les gens. Oh. S'il vous plaît, arrêtez de supplier les gens. Il y a une dame qui est au Sénégal qui demande que je la rembourse. Prenez son numéro, vous me déposez celle-ci, on lui fait son transfert. J'attire aussi les sorciers. Francky, tu fais quoi aussi? Salut, s'il vous plaît. J'ai besoin de modérateur sur le direct, sur Facebook. Tu as un snapper. En fait, ils ont tous les mêmes traits. Mais généralement, quand je te rencontre, je parle avec toi dans les 48 premières heures. Comme elle ne t'appelle plus, hein? Pardon, il faut venir. Dans les 48 premières heures, tu vois la façon dont la personne se comporte. Allô? Oui, oui. Vous arrivez à quelle heure? Bravo, souffrez. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Bad Gégé. Mon oncle va t'appeler pour t'indiquer. C'est lui qui connaît bien indiquer la maison. Moi, je ne connais pas vraiment. Donc, il va t'appeler à l'instant. Je lui dis maintenant, s'il te plaît. Il y a un lycée qui s'appelle Omar. Omar quelque chose là. Vous voyez à Carrefour, non? Oui, voilà. Vous arrivez au lycée Omar, vous l'appelez. Bah, Omar, c'est ça. Je suis là, je vais voir. Tu vas déposer. Ça va, il n'y a pas de problème. Non, j'aime les hommes occupés. J'aime les hommes occupés, t'inquiète pas. Mon frère va t'appeler, il va t'indiquer. Ok? Merci. Ouais, quand tu es occupé, c'est bien. Je suis à Yaoundé pour une réalisation. Ah, d'accord. J'aimerais bien que tu me donnes un devis. Je voudrais faire un clip vidéo. Francky. Et ça, toi, tu avais tous les prix premium, donc... Je trouve ça attirant quand un homme occupé. Hein. Moi, je vous dis. Ouais. Si tu es occupé, ça veut dire que ça a de l'argent. Et si tu as l'argent, ça change la donne. Oui. I like it. Attendez, je dois demander qu'on l'appelle pour lui indiquer. Je vous ai dit qu'il était en train d'apporter la télé. Non, je dois aussi m'assurer qu'on apporte le support de la télé. Est-ce qu'on doit m'installer la télé là aujourd'hui? Je dois voir Netflix sur la télé là aujourd'hui. Je vais mettre ma tête sur l'écran. Je vais voir comment ça sera grand. Attendez une minute. Oui, oui, il est en train d'arriver. Hein. Pardon, appelle-le. Je t'ai envoyé son numéro. Non, appelle-le, tu l'indiques à la maison. Bon, j'ai besoin d'un support. Attendez. C'est JB qui peut me donner ça. Attendez. Oui, 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 Francky, j'ai un private number. Attends. Va sur le numéro qui est dans ma bio. Clique sur le lien qui est dans ma bio. Tu vas entrer dans, mon contact. Les secrétaires pourront te prendre. Mais je peux voir ça à partir d'ici. Comme ça, je t'envoie mon numéro privé. Allô, s'il te plaît, j'ai urgentement besoin du support de la télé 75 pouces. J'ai besoin de ça aujourd'hui. Et le numéro de ton gars qui installe la télé là, il faut qu'il vienne me faire ça aujourd'hui, avant midi si possible. Voilà. Bon, ça c'est géré. Je viendrai en France.
C'est juste que je suis tellement bien en Afrique que je n'ai pas... Je suis trop bien en Afrique, en fait. J'y pense tout le temps, mais... C'est un peu comme une fille qui vient de faire l'amour. Elle a fait l'amour toute la nuit. Et le petit déjeuner la trouve au lit. Elle est dans un hôtel 5 étoiles. Elle tend la main comme ça, là, elle touche le chocolat. En fait, pourquoi tu veux qu'elle sorte du lit? Je suis bien en Afrique. Je suis bien en Afrique. J'ai les servantes ici. J'ai tout, en fait. La souffrance de l'Europe, le froid, les policiers, les lettres. Non. Non. Francky, écris alors, j'ai le téléphone en main, je pourrais bien voir ton numéro, comme ça je t'écris. Hein, Francky? En tout cas, écris ça dans inbox, tu dis que c'est Francky. Donnez-moi le numéro privé de la reine, c'est tout. Voilà. Et si tu bois le jus, il n'y a pas de problème. Donc, j'essaie de m'appeler, Kishina, etc. Je l'appelle pour savoir sa position. Je vais te réveiller. D'accord, je suis au bas de Guégué. Comme ça, si tu viens avec, parce qu'on a réveillé à la télé. Si tu arrives à l'obtenir, il vient avec le support pour installer. Elle faisait ça à 2000 avant, à 15 000 avant, non. Demande-lui de faire ça à 15 000. Elle est devenue trop chère, cette fille. Et tu dis que je ne veux plus les courriers cassés, hein. Elle me met tous les courriers cassés sur mes choses. Quand ça arrive, vous devez contrôler avant de payer. Tu es en Belgique. J'ai été Belgique, France, tout ça. J'ai fait tous ces pays avant. Mon numéro, c'est le 237-693-50-22-66. J'ai fait 13 ans en Europe avant de venir en Afrique. En Europe, tu n'as... Là-bas, vous avez les bons accès aux bons soins. Vous avez accès à ce qui est beau. Mais même en Afrique, il y a les choses qui sont belles. J'ai voulu faire le direct quand j'étais au Tadjikistan l'autre jour pour que vous voyez ce qu'on a ici. Je t'ai promis que je venais au Bénin. Tu as déjà payé quoi dans mes services? Tu as envoyé ton argent à qui pour faire quoi? Et tu m'as promis que tu venais au Bénin. Même si il vient, tu vas aller te voir. Non, je ne fais pas de service.
vous ai dit que quand vous m'attendez dans un pays, vous payez avant que je n'arrive. Si j'arrive, vous n'avez pas payé, ne comptez pas me voir. Dis très clair, je n'ai pas. Regardez l'écoute, hein. J'aime tout le chanter gérer cela. Quand mes gens qui gèrent ma page sont bêtes comme ça, ça m'énerve. Cette Marie-là a été bloquée déjà. Faute d'orthographe. Je ne fais pas de faute d'orthographe sur mes choses. Donc corrigez-moi ça rapidement. Deuxième chose, quand je fais un post, il doit être complet. Vous avez fait que vous posez les questions pour que les farfelus, les tintamas viennent pour dire n'importe quoi sur ma page. Je ne suis pas dedans. Je n'ai pas approuvé ce post. Donc enlevez-le rapidement. Une équipe fait de l'effort de ne pas réfléchir. Dis-lui qu'elle va me faire une banderole, comme pour les Miss là. La banderole en dope. Et elle met les courriers tout autour. Donc dis-lui que je veux ça. Elle m'en fait deux. Deux banderoles en dope. Et une autre banderole, elle couvre de cori totalement. Donc, elle va mettre au moins 7 paquets de cori dessus. Voilà. Elle couvre l'autre banderole, ce sera que les cori. Donc, je veux 1, 2, 3, 4, 5 lignes de cori dessus. Toute une banderole. Voilà. Demain, je vais faire un devis pour ça. Attendez, la femme qui fait mes choses, mes designs, là, elle est là. J'ai un nouveau truc que j'ai pensé, il faut qu'elle me fasse ça. Bonjour, attendez seulement. Bonjour la reine Maria ma lumière, comment tu vas? Tu as une bonne nouvelle. Oui, oui, Charles, c'est celui qui retire. Dans l'autre, c'est deux traits de courir autour et au milieu, il y a le top. Ok, tu vas bien. Bon, j'ai fini avec les gens là. Quand je fais comme ça, là, j'aime quand mes choses avancent. Bon, je cherche mes cartes, mais je pense que... Je vais vous lire les cartes, mais que je trouve... Ah tiens, les voilà. Il nous faut la bougie. Qui veut le jus? Tu ne bois pas la bière. Bonjour, Culio Marie. Je serai bougie, boum. Oui ou non? Deux paquets, merci. On n'a pas besoin de te répondre, chérie. Je suis un homme dans le corps d'une femme. Je suis transgenre. J'étais un homme avant.
J'ai fait, on m'a mis les seins. C'est tellement réel. Regarde, quand j'appuie, ça fait, regarde. Tu vois. Un chéri. Oui. Bienvenue dans mon live pour ceux qui viennent d'arriver. Tu dis que quand elle fait mes trucs, elle doit les laver avant de venir avec. Elle lave. Je vais laver ce qu'on a lavé, les coris lavés, c'est blanc. Chérie, j'ai répondu à ta question, j'espère. Ok, commençons. Ah, on met l'ordinateur en sécurité là-bas. Ok. On fait les cartes. Ok. On paye pour que je lise les cartes. Je ne travaille pas gratuitement pour vous. Là, tu bois le jus. Je travaille pas gratuitement, mon frère. Tu as suivi mon frère. Monsieur Gratuit était parti. Il est parti en Gaoundéré. Il est venu vendre les bœufs et les vaches. Oh, et un bon parfum dans mon sac. Ça sent bon. On paye par Orange Money. Il paye par Orange. Armand, bonjour. Welcome, Armand. Comment brûler la sauge que tu as achetée? Bonne journée. Tu allumes le feu. Tu mets la sauge dessus. En disant tes voeux. Après, tu brûles, tu fais comme ça. Là. Ok. Ok. Je fais la voyance en utilisant les cartes. Bakari est venu à Douala et il est venu vendre les bœufs et les vaches. Pourquoi la chanson vient dans ma tête aujourd'hui? Smile, merci. Et Dangolo, Dangode, et Dangode. Ah! Ça, je suis que c'est ma mère qui est en train de sortir. Ça, c'est, ma mère aimait beaucoup Petit Pays et puis Julio Iglesias. Grâce des cas aussi. Bonjour, maman. Je sais que quand tu arrives, tu commences à me mettre des chansons dans la tête. Oui, sois la bienvenue, maman. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les chansons se marient? Ouais, c'est elle. C'est elle. J'ai envie de penser à ta soeur. Pardon, achète plusieurs paquets. Tu as acheté mon 4 paquets. On commence à faire vos lectures. Quand c'est vrai, ça veut dire qu'elle a sûrement un message. Ok, les ancêtres. Qu'est-ce que je dois leur dire? Monsieur Christian Steve, vous n'avez pas besoin que j'arrive sur Abidjan avant qu'on se voie. On peut se voir, on peut se parler avant. Vous avez suivi? La consultation, c'est 80 000, monsieur Christian. Ok, vous payez par Wave. Je vous donne le numéro Orange Money pour faire les paiements. Orange ou Wave. Prenez le nom pour les lectures de cartes. 237. Je donne d'abord au Cameroun, après je donne la Côte d'Ivoire. 237 693. Si vous voulez vraiment payer, je pense que vous aurez de quoi noter. Ne me demandez pas de répéter 5 fois après. Bakari est venu à Douala et il est venu vendre les bœufs. Dans ma bio, il y a mon numéro. Je dois parler. Le message qu'on a, on a vous donné là, c'est en train de télécharger. Ok, ok. Prenez le numéro dans ma bio, s'il vous plaît. Mon contact est là. C'est quelque part là-bas. Je vous en prie, prenez. Voilà. Beaucoup d'entre vous ici, là, vous culpabilisez. Beaucoup de culpabilité d'une relation passée. $80 625 euros.
vous me parlez. Bon, je ne vais pas lire vos commentaires. Je dois absolument parler parce que c'est ce que je dois vous dire maintenant. Donc, si vous êtes intéressé, mon numéro est dans sur la page. Ok. Beaucoup de culpabilité. Vous vous êtes précipité dans une relation. Et après, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas ça. Donc, vous culpabilisez. Vous n'osez même pas peut-être en parler aux gens. Oh, vous avez beaucoup de dons. You have very good plan. Tu peux obtenir ce que tu désires. En fait, on a attaqué ta vision. L'ennemi t'a donné une mauvaise image. Tu as rencontré un homme, tu as cru que c'est l'homme de ma vie. Parce que tu as vu comme si le message que c'est l'homme de ta vie, ça venait de Dieu. Alors que c'était une semence de l'ennemi. Et parfois, dans cette relation, tu as poussé en te disant que Dieu m'a parlé au départ. Mais c'était l'ennemi qui t'a donné une image. C'était l'ennemi qui t'a donné une image. L'ennemi, je ne savais pas qui faisait ça. L'ennemi a pris une mauvaise image, il est venu mettre devant toi. Et tu as accepté. C'est dû depuis, tu te sens mal, on te tape. Carrément, je vois quelqu'un ici que dans le rêve, souvent tu te réveilles, tu es fatigué. Tu bagarres avec des forces invisibles. Et ça met beaucoup de confusion dans ton esprit. Il y en a même, ça a affecté vos papiers. Ou bien ton business, ou bien l'aspect légal, je ne sais pas. Certains, vous êtes en instance de divorce, vous attendez. L'avion, avion, garde-moi le Yahoo, avion. Oh my God. Je suis en train de canaliser même 5 énergies, 5 esprits actuellement là. Il y a un enfant qui est en train de parler, il y a un enfant dans mon corps actuellement. Il y a quelqu'un ici là. Tu as commencé ton travail spirituel. Tu as commencé à savoir qui tu es. On me dit, tu dis que tu dois garder ta joie d'enfant. Tu as commencé à savoir qui tu es, mais les personnes sont venues rendre ça trop sérieux. Et ils ont pris une partie de ton pouvoir, de ta peau. Je vois un peu comme s'ils ont pris ta chair. Ça me montre carrément des pratiques de sorcellerie. Et tu étais très rebelle. Tu regardes la femme que tu n'aimes pas, que tu n'aimes plus, tu n'aimais pas te laisser faire. Et c'est ton esprit qui t'a sauvé. You have a very, very powerful spirit. Tu n'acceptes pas la monotonie. Tu n'acceptes pas. On a voulu te mettre en prison. Mais c'est ton esprit qui a créé les circonstances pour que tu sortes. Comme tu es en train de divorcer maintenant là. Maintenant, on me dit de te dire que tu dois te soigner. Tu es une guérisseuse et tu dois te guérir d'abord. You can heal yourself. Déjà dans le rêve, il me montre des anges, ange Raphaël, El Rafa. Ils viennent à la nuit, ils te guérissent. Donc la plupart du temps, tu ne te rappelles pas de tes rêves parce qu'ils t'ont amené dans un endroit où ils allaient te guérir. Ils vont travailler sur toi. Maintenant, il faut que tu résistes, bonjour Noël, tu résistes à l'envie dans le physique de porter encore. C'est un peu comme si tu portes à chaque fois le passé, tu reviens avec. La douleur revient. Un peu comme si on te soigne, on met le pansement, on dit que n'ouvre pas. Fais 5 jours avant d'ouvrir. Le lendemain, tu ouvres. Ton esprit était trop fort, on ne pouvait pas te contenir. Écris ici, je suis trop forte pour eux. Et tu as beaucoup de connaissances antérieures. Tu as beaucoup de connaissances antérieures. Beaucoup. Zinga, bonjour. Mon ex s'appelait Zinga. Je remercie parce qu'il m'a aidé à transitionner vers la spiritualité africaine. Il y en a ici là, vous êtes des guérisseurs. Vous avez du savoir antérieur et vous avez le don de guérison. On me montre aussi que tu vas tousser. Il y a un truc dans ton... Il y a peut-être une huile d'onction que tu dois lécher.
Si vous allez dans un de mes locaux, demandez-lui d'onction, vous léchez un. Ou la poudre jaune aussi. Vous léchez, je sens beaucoup d'égrégores ici dans votre poitrine. Tu étais dans le foyer, là, on t'empêchait beaucoup de parler. Maintenant, on me dit, tu vas t'asseoir et retracer ta vie. Oh, le chakra de la gorge, ta gorge est attaquée. Ils disent que je dois insister sur la gorge. Les choses que tu voyais, même quand tu leur disais, on ne te croyait pas. Je vois aussi quelqu'un ici, là, peut-être tu étais emprisonné dans une église. Il y a la poudre là dans le kit fondation. Ce que je vais faire, c'est la poudre en elle-même coûte 10 000 au Gabon. Et puis, je vais vous faire un forfait pour ceux qui achètent le kit. Quand tu achètes le kit, je crois qu'on va même introduire ça là-dedans. Au lieu de vous vendre ça à 10 000, on vendra ça à 5 000. Quand tu achètes le kit, on met dedans le foin. Merci, Kimia. Tom, tu as une très belle âme. Waouh. Je ressens ton énergie ici. Tu as l'aura, toi, très prononcée. Je vois tes dons carrément, Zinga. Hein? On a te fait un scanner de toi. Oh my goodness. La vision, la parole. Est-ce que tu as des ailes? Tu as des ailes? Zinga. Soit tu as des ailes qui sont en train de s'ouvrir, soit tu vas te lancer quelque chose. Je sens des ailes. Tes ailes sont en train de pousser. Ok. Je te remercie. Je sors dans ton énergie. Attends et continue. Ok. Beaucoup d'entre vous, vous allez rencontrer votre famille d'âme. Avant, quand vous parlez de famille, de flammes jumelles sur les réseaux sociaux, on vous a fait croire que c'est l'homme de votre vie. Ce n'est pas ça. Ce sont des gens que quand vous rencontrez, c'est comme s'ils vous ouvrent. Donc je vois un peu quelqu'un, c'est là que dès que tu rencontres quelqu'un comme ça là, ça fait... Les paroles de la personne, ça te donne... C'est comme si c'était un élixir que tu buvais. Mais pourquoi vous mettez des mots comme ça dans la bouche? C'est pas moi qui parle là maintenant, sérieux. Je vois comme un élixir. Très chaud, un miel. Voilà, vous devez prendre du miel. Consommez du miel, s'il vous plaît. Je vends aussi du miel, mais consommez du miel. Et en mettant, consommant ce miel, vous parlez, vous insistez beaucoup sur la langue. Jeanne Ouattara, je vis à Abidjan. Je suis résidente à Abidjan. Bientôt, même de nationalité. Et je suis résidente aussi au Gabon. Donc, quand vous voulez me voir quelque part, payer, quand j'arrive sur place, les secrétaires vous font signe. Je vous venez, je vous vois. Donc, je continue. Il y en a aussi, votre âme est en train de guérir. Votre âme est en train de guérir. Et cette activation slash guérison, voilà, vous n'allez pas, vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul. Et on montre que vous aurez trop de plaisir à être... Par exemple, quelqu'un, ok, je prends un exemple. On montre quelqu'un que tu passes souvent du temps, tu aimes beaucoup m'écouter. Tu passes souvent du temps dans mes vidéos. Et ça t'apporte une satisfaction que tu restes comme ça, tu dis que yeah. Ok, je m'excuse, mais c'est comme si tu préfères me passer plus de temps souvent avec mes vidéos qu'avec ton gars. Parce que tu n'as pas de satisfaction dans ce qu'il fait avec toi. Parce que tu es en guérison. Et tu vas recevoir de l'aide. Les vidéos que je fais aussi, ça t'apporte de l'aide. Et cette aide-là, en fait, ça te permet de guérir de la jalousie, de t'aimer. Je vois aussi quelqu'un ici là que tu as connu trop la jalousie. Parce que ton cœur, ton âme a toujours été aussi bonne que ça, comme tu es là. Au moins que tu as deux côtés. The bad side, like, and the good side. Et les gens ont tellement été jaloux avec toi que tu as été obligé de devenir mauvaise. Lumière, vom, sors de mon direct, je t'en prie. Si tu ne comprends pas, tu quittes rapidement. Il y a des personnes ici, là. On a bloqué votre gorge. Il y a des personnes qui tirent du plaisir à ce que vous vous taisiez. Il y en a ici là.
Vous avez le pouvoir de jeter des sorts. On me dit de vous dire de ne pas vous fâcher. Parce que si vous vous fâchez, votre puissance est tellement en activation. On empêche les choisis de parler. Aucune arme forgée contre cette parole ne va prospérer. Ce message doit sortir. La jalousie. Bon, je bloque les gens sur ma page. Hein. Je bloque. Il vient petit bavarder, tu parles que tu penses que je te bloque. Fais attention à ce que tu dis quand tu es en colère parce que une fois que tu es activé comme tu es activé là, on me demande de te dire de regarder. Dans les 3 prochains jours, on va te montrer ce qui est arrivé à 3 personnes qui t'ont fait du mal. Et ce sera, c'est carrément, je peux dire, atroce. C'est pas toi qui as fait. Et toi, je t'ai énervé, ils sont partis. Ils souffrent, leur âme. On me montre que tes guides fouettent les gens. On me montre que tes guides fouettent les gens. Ma télé est arrivée. Je dois continuer la lecture, je ne peux pas sortir d'ici. Tes guides fouettent les gens. Et tu ne. Ce n'est pas du. Like, you know. Ce n'est pas un rêve, tu n'as pas rêvé. Parce que souvent, tu vois, tu te dis, c'est ça. C'est ça. Tes guides fouettent les gens. Oui. Il est venu. Monsieur JB, j'ai demandé à JB qui m'appelle celui qui va mettre au mur. Bon, il faut le bras rotatif, hein. C'est plus grand que le mur qu'on montrait. C'est plus grand que le mur là. Merci. Pas possible ça. C'est la mort. Ok. Attends, j'arrive alors. Il est déjà parti. Oui. Quoi? Qu'est-ce qui n'arrive pas là-bas? Oh. Ouais, que... Comment un grand vient chez moi comme ça là? Hein? Oui, je suis en direct. Oh my god, c'est plus grand que l'endroit où je voulais mettre. Oh my god. Non, on ne peut pas enlever ça. Mais ici, là, c'est faisable. Oui. Bras, ok. Waouh. Non, de telle manière, c'est que tu peux pivoter. Oui. Mais ça prend un canapé de 3 places. Waouh. J'ai sous-estimé la fesse. Et tu veux mettre plus grand que ça chez toi? J'ai plus grand. Toi, c'est là. Pourquoi c'est plus grand? C'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi c'est plus grand? Pourquoi c'est le 85? Je n'ai même pas le champagne pour t'offrir, monsieur Vito. Moi, il ne fallait pas venir chez moi comme ça. Il devait sortir le tapis rouge pour toi. Oh. Comment? C'est parti, remise. Je vais me préparer pour te recevoir. Ouais, vraiment.
Merci. On m'a parlé au téléphone. Tu as compris, non? Je dois aller finir ce que je fais, s'il te plaît. Et je sais que toi-même, tu dois aller quelque part. Oui. Donc, ils prennent ça là, non? Celle-là, oui. À tout à l'heure. Okay. S'il te plaît, offre-la. Donne-leur de l'eau. Je crois qu'il doit avoir besoin de l'eau, s'il te plaît. Donne-leur de l'eau à boire. Viens prendre ça chez moi. Passe là-bas. Prends deux bouteilles, tu leur donnes à chacun, s'il te plaît. Et tu fermes ma porte. Mince. La télé, là, est costaud de haut. Il fait commander ça. Je dois peut-être demander qu'on change le bras que j'avais demandé, là. Jesus is Lord. Maman. Oui, s'il vient à 13h, c'est bon. La télé, là, est trop vaste. Il faut un bras rotatif. Parce que le mur que je voulais mettre, là, est petit. Donc, prends-moi un bras rotatif, s'il te plaît. Non, je vais voir Netflix ce soir jusqu'à... Je vais me faire le Netflix. Le monsieur qui m'a vendu ça, là, il aime les grandes choses jusqu'à... Il aime les grosses voitures, les grosses télés... Non, je suis sûr que j'adore aime les petites femmes. Tu vois sa gauche, je suis sûr qu'elle est petite. Oui, oui, s'il te plaît, je veux que tu testes, j'allais oublier. Prends la télécommande, je t'assure que ça teste. Et puis, si tu peux connecter, ramène le wifi par là-bas et puis tu connectes pour voir, s'il te plaît. Ça marche. Ça marche. Donc, tout à l'heure. Ok. Ça marche. Merci. Pour laver son orage. Laissez-moi recommencer. Continuer à lire ça. Elle ne peut pas regarder Netflix. Je crois que Netflix aura un goût ce soir. Bon, on continue. Je parlais de... rebelle, flamme jumelle. Vous avez bien suivi ce que j'ai parlé. J'ai dit des flammes jumelles. Vous avez bien suivi. Vous êtes des êtres très spirituels et c'est maintenant que les gens vous... C'est maintenant que les gens vous comprennent. Vous avez aussi le don de guérison. Oui. Bon, ça c'est les lectures générales. Je vais prendre les lectures privées maintenant. J'ai une file d'attente, je crois que j'ai au moins ce 25 lectures à faire ou 30. Et ça épuise, hein, croyez-moi. Ok. Non, mamie, ne me raconte pas ton rêve. Pour raconter ton rêve, il faut que je sois intéressée par ton rêve, donc chérie. Bon, je vais commencer les lectures. Si vous avez un problème pour que je vous lise ici en direct, ne payez pas la lecture chez moi. Ok? Merci. Je vous dis, s'il vous plaît. Tu dois apporter ton aide aux autres, ma chérie. Peut-être même lancer... aller souvent dans des orphelinats. Quelque chose comme ça. Aller dans les orphelinats, des choses comme ça. Tu dois aussi te précipiter parce que je crois que tu as fait des... Tu as pris des décisions à la hâte. Donc, je disais que tu es un être très spirituel. Tu dois lancer, tu dois aider les orphelinats. Prendre du temps pour faire peut-être du bénévolat dans les orphelinats. Je crois que ça va activer tes dons. Et tu t'es peut-être précipité dans le passé pour faire certaines choses. Ça n'a pas marché, tu as laissé tomber. Donc, tu as aussi un esprit de rebelle qui va t'aider. C'est ça qui t'a protégé jusqu'à présent pour qu'on ne te fasse pas de mal. Et tu es en train de guérir aussi. Ton âme est en pleine guérison. Donc, tu dois chasser la culpabilité qu'il y a dans ton esprit. Pour moi, tu culpabilises peut-être par rapport à ton ex. Et tu dois aussi rendre... Tu as un contrat d'âme avec quelqu'un. Et parfois, tu te dis, ça fait 5 ans qu'on s'est séparés, mais pourquoi je pense encore à lui? Oui, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas rompues. Il faut les rompre.
Tu peux demander un rituel de détachement chez moi. Quelque chose comme ça qui va t'aider à te séparer de ces choses-là. Tu as le don de l'enseignement aussi, ma chérie. Il faut que tu utilises tes dons. Et je vois la richesse, beaucoup de richesse. Tu as beaucoup fui l'argent. Soit, je crois que les relations ont beaucoup sucé ton argent. Parce que tu faisais plus confiance à ta relation qu'à tes dons. Et tu dois aussi acheter des vêtements spirituels. Commence à t'habiller de façon un peu plus spirituelle que la norme. Voilà, une dernière carte. Tu as aussi beaucoup de force en toi. Tu as le don de la force. Achète un bâton de commandement en ébène. Donc, un bâton de commandement noir en lion. Et commence à t'équiper de tes objets spirituels. Donc, ça, c'est la fille qui vient à peine de payer. Tu as la chance, je t'ai lu directement. Ok. Je ne prononcerai pas vos noms ici, mais si vous avez un problème, si vous ne voulez pas que je vous le dise ici devant les gens, ne payez pas. Salut ma chérie, je te fais ta lecture. Tu seras la première milliardaire de ta famille. Mais voilà, je crois qu'on a travaillé sur toi dans ta famille. Et ils ont bloqué ta gorge pour que tu ne parles pas. Ton don de communication a été énormément bloqué. Tes papiers aussi. Je crois que tu as essayé de faire le visa pour partir plusieurs fois. Ça aussi, ça a été bloqué par les personnes qui ont travaillé sur toi. Donc, on m'a dit que tu dois absolument comprendre qu'il y a des personnes qui ont activement travaillé pour que tu restes là où tu es. Donc, à malin, malin et demi. Paye ta dîme. La dîme va beaucoup t'aider. En payant ta dîme, ça va t'aider. Tu as aussi le pouvoir de guérison. Et la première personne que tu vas guérir, c'est toi-même. Voilà. Nettoie la tombe des ancêtres et je leur demande d'ouvrir tes portes. Que toute porte ou visa que tu es censé avoir, qui a été pris par quelqu'un, tu demandes que ça te soit restauré. Et là, je vois comme si tu vas renaître de tes cendres. Les projets que tu avais commencé, ça fait 10, 15 ans, qui sont tombés à l'eau, ça va renaître. Tu dois allumer la bougie chez toi pendant 7 jours. J'ai des bougies que j'ai bénies et j'ai laissées dans mes locaux. Il y a la bougie pour chasser les mauvais esprits, il y a la bougie pour attirer ce qui est bien. Allez acheter les bougies là, achetez-les en chiffre de 7-7. Vous les brûlez à la maison, ok? 7, c'est-à-dire 3 pour chasser, 4 pour attirer. Voilà. Donc, tu dois nettoyer la tombe des ancêtres. Ils me disent aussi que tu as le pouvoir du feu, donc d'où la bougie que tu es en train d'allumer à la maison. Donc, ne néglige pas cela. Tu as aussi l'oratoire très prononcé. Donc, tu vas refaire tes papiers. Je ne sais pas dans quel pays tu voulais partir. Tu relances la procédure après avoir fait le traitement que je t'ai dit. Tu dois prendre le fil des envoûtements. Tu dois prendre... je vois aussi beaucoup de fatigue, découragement sur toi. 1, 2, 3, 4, 5. Je vois aussi, il y a l'abondance. Si tu t'écoutes, parce que je crois aussi que tu as des personnes autour de toi qui font l'effort de te... Ils monitorent, monitoring spirit. Ils regardent ce que tu fais. Et dès que tu commences un peu à lever la tête, on vient, ah, tu fais quoi? Tu vas où? Voilà, donc il faut que tu t'éloignes un peu ou bien que tu arrêtes de partager tes choses avec tout le monde. Donc, prends un kit des envoûtements, tu fais et demande aussi un lavage à distance. Le mois prochain, tu dois faire un sacrifice de coq. Le coq, c'est 150 000. Oui. Début mars, je vais aller sur les lieux sacrés pour faire les sacrifices de coq pour vous. Ça va t'aider. Bon, prochaine personne. Il y a un arnaqueur. Le tout, c'est que je sais déjà qui c'est. Il y a un arnaqueur qui prend son temps. Il cause avec les gens ici. Je ne sais pas là où vous prenez leur numéro. Il a pris mes kits, il a coupé, il a mis son numéro dessus. Jusqu'à demander la dîme des gens. Écoutez-moi, je ne vous demanderai jamais la dîme. Vous me connaissez avec la gueule. Tu veux payer, tu payes. Je vous explique comment la dîme fonctionne. Tu payes.
Là, mon vient m'envoyer des vidéos d'un arnaqueur ici, là. Jusqu'il envoie même l'application TapTapSend pour envoyer l'argent. Waouh. Je suis choqué, quoi. C'est 1679-52-71-85. Wow. Je vais continuer mes lectures. Je me demande que quand vous payez chez l'arnaqueur et qu'il faut vous consulter, est-ce qu'il vous consulte, en fait? Hein? Parce qu'il faut essayer d'un endroit où elle a appelé, n'a pas répondu. L'arnaqueur, là, il vous consulte, vrai, vrai. Bonjour, vous payez la lecture, vous partez dans la bio. Il y a le numéro de téléphone. Et moi, je ne vous comprends pas. Vous venez vous en train de parler sur ma page. Vous voyez ma page officielle. Quelqu'un vient dans les commentaires et vous prend. Il part derrière, il commence à vous rimer. En tout cas, que Dieu bénisse ce que vous avez donné à l'arnaqueur. C'est parce qu'il peut vous dire. Ok. Je vous tiens au courant de la fin de l'histoire avec la Nakusi. Je sais déjà qui c'est. Donc, vous serez informé de la fin de l'histoire. Et quand j'ai su qui c'était, j'étais dit, oui, j'ai dit, waouh. Donc, ceux qui disent, bon, j'en ai mes vidéos là, ça m'arrive aussi à moi. Bon, continuons nos lectures. Un jour peut-être, un jour, ça c'est chanson que ma mère aimait. Maman, je ne sais pas pourquoi tu me fais ça aujourd'hui. Salut ma chérie, on va faire ta lecture. Déjà, tu as des personnes qui te calculent. On met un peu de désordre dans tes affaires. Oui. Tu es quelqu'un de très sage. Tu peux conseiller quelqu'un ces choses marchent, mais pour toi-même ne marche pas. Ça fait partie des guides, des blocages. Maintenant, tes guides veulent que tu leur parles. Parce que c'est un peu comme si tu as fui ça. Tu as fui. On t'a montré tes dons, tu as fui. Donc, comme tu as fui, ils t'ont dit qu'ils t'ont laissé. Donc, ils t'ont exposé à ces personnes. Le numéro est dans la bio, s'il vous plaît. Prenez le numéro dans la bio. I looked ill. Did you make me ill? Go with your illness. In Jesus' name, I rebuke. I look ill. Toi qui m'as donné ill. Donc, tu es un ange terrestre et tu l'as accepté là. Accepte, tu as les pouvoirs. Oh my goodness. Est-ce que tu es manier, mamie? Parce que je vois ici, là, il montre seulement que tu as des pouvoirs, mais c'est comme si tu ne veux pas. Et comme tu refuses, là, eux-mêmes aussi, ils ont bloqué tes choses. Les gens, ils ne sont pas là pour t'assister. Ces gens donnant, donner. Tu fais ce que nous, on veut. Nous, on fait ce que tu veux. Voilà, c'est ça qu'ils me disent de te dire. Donc, ta saison de récolte aussi est là. Il y a beaucoup de choses. Waouh. Tu es censé aider beaucoup de personnes, ma chérie. Accepte ton appel. Il y a beaucoup de personnes à qui tu dois faire de l'aide. Et même sur les réseaux sociaux, tu dois souvent partager tes révélations dans des vidéos ici, là. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, ne venez pas pour montrer vos seins aux gens. Venez pour dire ce qu'on vous a dit. Dites ce que vos guides vous ont dit, le message que les guides vous ont donné pour les gens. Donnez, vous allez voir. Donc, tu dois commercialiser tes dons. Sinon, tu auras beaucoup d'autres choses imprévues encore qui vont se passer. C'est ça que je vois. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es très têtu. Fais-moi moins que tu es têtu. Tu es têtu. Pourquoi? En fait, tu durcis, en fait. Tu dis non, ça doit se passer comme je veux. Et il n'aime pas ça. Ouais.
Et en fait, la dernière chose que tu dois savoir, c'est que répondre à leur appel, ce n'est pas partir en prison. Parce que je crois que tu as l'impression que ça va t'emprisonner, ça va t'empêcher de vivre ta vie. Voilà. J'espère que tu as commencé à faire les kits quand même, non? Demande un détachement, un divorce spirituel. Demande aussi la cérémonie de divorce spirituel. Et tu prends un kit mari de nuit et kit fondation. Papa, laisse, j'ai déjà parlé ça depuis longtemps. Donc, je suis en train de devoir, je veux former une équipe, mettre sur pied une équipe qui va fonctionner avec ça. Ça, je ne suis pas satisfait de ce rendement. Je travaille dessus. Bonjour, bonjour. Bon, je continue la lecture. Ceux qui ont payé, je vous lis. Oh, maman, on peut être belle comme ça. Maman, tu es jolie jusqu'à. Et ton nom ressemble au caramel. Hmm? Tu as le nom du caramel. Hein, mamie? Tu es une femme de l'eau, je crois. Oh, tu es un être très spirituel. Mais malheureusement, je vois un peu comme si on a utilisé ta spiritualité contre toi, en fait. Oui, contre toi. Donc, il va falloir que tu acceptes toi, première étape, vraiment. L'autre là, inévitable. Tu es un soldat de lumière. Tu es même appelé à éveiller les gens. Pas, ta beauté seulement, c'est aussi quelque chose qui consomme. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as l'impression que seulement en te regardant, ça calme certaines personnes. On a aussi mis beaucoup de confusion parce que les gens autour de toi n'acceptent pas tes pouvoirs. Et certaines personnes parfois te jalousent. Donc, ça fait que tu diminues tes pouvoirs ou tu refuses même tes pouvoirs. Alors, on me dit, t'es dit d'arrêter ça. Tu as les dons de guérison. Peut-être tes ex, tu peux guérir. Tu peux donner le positif sur quelqu'un ou le négatif. Mais tu culpabilises. C'est comme si tu étais avec un gars, ça s'est mal terminé. Et là, tu te dis, oh, peut-être que c'est ma faute. On me dit, t'es dit que ce n'est pas ta faute. Tu as le don de l'enseignement, le don de guérison. Mais la culpabilité te gêne beaucoup. Donc, on me dit, t'es dit d'arrêter ça. Donc, tu dois te laver au sel constamment. Ça va activer tes pouvoirs. Les femmes de l'eau, là. De vous laver au sel constamment. Ça active les pouvoirs. Lave-toi au sel et asperge le sel dans ta maison. Maintenant, tu as beaucoup de richesses. Tu as l'argent qui est censé venir avec toi. Mais tu dois parler avec tes guides. Je vois un peu comme si tu as l'assistance, mais tu ne les engages pas. Et quand ils te répondent, même, tu ne crois pas en ce qu'ils t'ont dit. Oh, God. Je crois que tes guides se connectent avec toi par le... Mon nez les mange énormément actuellement. Donc, peut-être que c'est l'une des façons avec lesquelles tes guides se connectent avec toi. Ta vision aussi. Ils vont souvent te montrer des choses dans les rêves. Et tu vas faire, ça va se réaliser. Ok, chérie. Donc, il faut faire une libation. Lave ton sel. Lave ta maison avec le sel aussi. Utilise beaucoup le sel. Parce que ça fait partie de tes outils spirituels. En tant que femme de l'eau. Bonjour, bonjour. Mon numéro est dans la bio pour ceux qui veulent payer la consultation. On paye par Orange Money ou bien Airtel Money ou bien TapTapSend. Que c'est gratuit. Tu bois le jus. Que la consultation est gratuite. Pardon, attends, il te bloque. Quand il m'écrit en inbox, il y avait la consultation. Attends, il te bloque. Je vais déranger les gens ici, c'est gratuit. Moi, Mie Younger. Le numéro est dans la bio, cherchez le numéro sur la page. Tu ne bois pas la bière, tu laisses. Oui. Merci beaucoup. J'ai un bruité quelque part ici là. Je suis que je ne suis pas sorti. Ah, c'est bon. Elle a fini dans. Ok, parce qu'il faut qu'elle parte à Louis après.
C'est 20 000. 20 000 pour les consultations. C'est même pas la consultation, c'est la lecture. Je lis votre énergie, 20 000. J'attendais ça depuis. Je mets la lumière sur vous. Je purifie votre environnement. C'est ton anniversaire, c'est bien, mamie. Je transforme les armes qu'on a utilisées contre vous en outils, en escaliers pour que vous montiez. Je déclenche votre ascension par le pouvoir du feu, de la lune, du soleil, de la lumière, de la terre, de l'eau, du vent. Je vous fortifie. J'expose toutes les personnes qui vous voulaient du mal. Pénalisez-moi la personne qui a mis un mauvais numéro sur ma page. Mon numéro, c'est le 680-711-0701. Celui qui est en train de modérer le direct actuellement, pénalisez-le rapidement. Il donne l'argent l'avant-midi. Tu es modérateur sur ma page avec les scammers que j'ai. Tu écris mal mon numéro. Tu vas donner 2000 francs. Toi qui regardes le direct, si tu es mon employé, non. Donne 2000 francs maintenant. Si vous êtes dans la sorcellerie, vous allez sortir de mon bureau avec ça. Vous buvez quoi? Vous fumez quelque chose en venir? Mince. Quand tu emploies les jeunes au Cameroun, négligent comme tout. Vous faites quoi avec la négligence? Ahmed, si on a envoûté ta copine, tu veux qu'elle fasse quoi? Moi, je m'arrête toujours pour adresser tout. Hein. Parce que quand tu laisses quelque chose passer une fois, deux fois là, moi, j'adresse toujours tout. Sinon, c'est comme vous n'avez pas me laissé. Tu laisses une fois, deux fois, après l'employé commence à prendre ça comme la routine. Demande à Jésus-Christ d'intercéder. Lucien, pardon, vas-y alors, demande pour nous, on te suit dans la prière. Allons-y.
Bon, je continue mes lectures. Bidou. Salut, je vais faire la lecture du petit. C'est un enfant qui a... Il a le don de la parole. Donc, quand il va grandir, vraiment, il ne faut pas trop le frustrer. Souvent, on voit ses... Prenez son opinion en compte. Il est aussi spirituel. Je crois qu'il tient ça de sa mère. Il faut travailler sur lui pour briser les contrats d'âme. Parce qu'il peut avoir des contrats d'âme qui l'empêchent, qu'il faut que ça le bloque à un moment, quoi. Donc, il commence après. Il tombe dans une relation qui n'est pas bonne. Parce qu'il a fait un contrat avec la femme qu'il rencontre. Ils ont fait un contrat avant de naître. Et ce contrat le bloque, en fait. Qu'il ne fasse pas des cycles répétitifs. Il est censé aussi faire le business. Donc, laissez-le faire le commerce tôt. Et il a besoin de votre aide. Votre aide lui sera cruciale. Parce que cet enfant ne peut pas s'en sortir seul. Je peux dire qu'il est né avec une inclinaison pour une pour. Okay, je ne sais pas si ça vient de son père. Mais je sens des ombres négatives venant de son père. Et c'est ça qui fait un peu que sa vie zigzague. Oui. Donc, il a des énergies qui sont comme des réclamations sur l'autel paternel. Donc, la prochaine fois qu'on fait un travail sur lui, il faut mentionner ça. Donc, mettez-lui de blindage dans son huile pour la protection. On me dit tous les 2-3 mois, vous faites un travail sur lui. J'ai insisté sur le côté paternel. Donc, la prochaine fois dans les travaux, vous me mentionnez ça. Tu sais, les gens qui viennent me critiquer, quand tu viens critiquer ma chose à distance, ça ne m'arrange pas. Je préfère travailler avec les personnes qui ne sont pas très performantes, mais qui sont là, présentes. Deuxièmement, qui veulent grandir. Troisièmement, qui sont intègres. Donc, peu de fois où tu es venu, il y avait un peu d'arrogance dans ce que tu voulais, ce qui ne me va pas. Donc, même si tu espères et tu es un peu, tu vois, ça ne me va pas. Ne venez pas vous montrer que vous connaissez trop. Comment il vous connaît? Prochaine personne pour la lecture. Qu'est-ce que vous avez pour cet enfant? Elle a des paroles de sagesse. Il faut qu'elle fasse un lavage au sel. Lave-la régulièrement au sel. Elle peut accomplir des miracles. Mais c'est un enfant qu'il faut cadrer son énergie. Elle peut aussi voir même le futur. Elle a une puissance, donc vous aurez souvent, même son troisième œil va vouloir s'ouvrir très tôt. Donc, il faut beaucoup... N'envoyez pas trop l'enfant, c'est chez les gens en vacances. Elle a aussi le pouvoir de la terre. Donc, il faut souvent l'envoyer au village. Donc, dans les endroits, elle peut se connecter un peu avec la terre. Ou bien, vous avez il faut avoir la verdure à la maison. Et c'est une personne qui est censée faire du bien aux gens. Elle est censée travailler à son compte. Une businesswoman très, très réputée, ce que je vois d'elle. Le manque de confiance en soi de ses parents peut l'influencer. Assurez-vous qu'elle soit à côté des personnes ou dans un environnement qui va faire qu'elle ait confiance en ses pouvoirs. Oui. Donc sinon, ça peut se manifester avec la timidité très très intense. C'est des choses comme ça que vous devez combattre. Sinon, ça va tuer ses pouvoirs. Il faut
Vous demandez de travailler sur elle tous les 3 mois maximum. Ou soit vous prenez une période de 3 mois, vous travaillez tous les mois sur elle, intensément. Donc on peut faire des lavages, j'ai aussi des détachements que je peux faire. Salut ma chérie, tu as demandé une lecture de cartes. Il faut mettre des coris sur tes vêtements. C'est le pays d'où tu es, vous avez peut-être de l'eau là-bas. Donc, tu as un esprit qui est très fort. Je pense aussi que tu es une femme de l'eau. Oui, il faut parler à tes guides. C'est un peu comme si tu es trop cartésienne. Tu viens faire les choses avec la logique. Et tu négliges un peu ce que tes guides veulent te montrer. Allume des bougies. Chez toi pendant 7 jours. Tu peux aussi faire un lavage au sel. Fais un nettoyage énergétique dans ta maison. Et tu es aussi celle qui va briser les malédictions dans ta famille. Donc, la force que ça va demander pour que tu ouvres tes portes à toi, quand tes portes seront ouvertes, tu vas aussi ouvrir pour ta famille en même temps. Je pense que tu as été très trompée. Peut-être ton mari a te trompé ou bien les tromperies là, ça t'a un peu fait mal, durcit le cœur. Il va falloir que tu libères et que tu passes. Et si tu es dans une relation où t'as trompé, tu as abandonné, tu as pardonné, mais tu es resté, il va falloir que tu partes à un moment. Voilà, tu as beaucoup de personnes que tu dois aider. Donc tu ne peux pas te rester dans ce cercle vicieux. Il faut que tu sortes de là. Je ne lis pas les gens gratuitement, s'il vous plaît. Toutes les lectures que je fais, elles sont payées en avance. Je vous permets d'écouter parce que ça vous aide. Bon, je crois que j'ai déjà commencé à travailler sur toi. Il faut prendre le kit fondation, après tu prends des envoûtements. Si tu as déjà fait fondation, fais le kit des envoûtements. Et tu demandes un rituel de détachement et un rituel de divorce. Salut, tu as demandé une lecture, ma chérie, je vais te la faire. Tu es quelqu'un que tu vas changer le monde, mais je te vois vraiment dans ta localité faire quelque chose de grand. Waouh, tu vas construire un empire. Tu vas être une femme que peut-être ça te frustre un peu dans le mariage, le fait que tu sois une visionnaire. Peut-être c'est pour ça que ton mari t'a épousée d'ailleurs. Mais à un moment, ta vision sera un peu plus grande que ce que lui va vouloir faire. Donc je ne veux pas causer des problèmes, mais je te dis ce que je vois. Tu communiques beaucoup avec les esprits. Ils te donnent des messages. Et tu écoutes, tu es très obéissante. Donc, tu es une femme de l'eau. Donc, on me dit, tu dois aller dans ton village, tu dois suivre de l'eau quelque part. Va là-bas. Va dans la rivière, là, tu te laves. Et tu demandes qu'on te donne le courage, la discipline. Et que tu appelles aussi toutes les personnes qui sont censées être à toi. Que ces personnes-là viennent. Qui doivent t'aider. Tu as aussi le don de l'enseignement. Mais il y a beaucoup de manque de confiance en soi. Les personnes qui sont à côté de toi te font beaucoup culpabiliser. Genre, si tu t'occupes de tes dons, tu vas nous oublier, des choses comme ça. Tu es même censé voyager, waouh. Peut-être des conférences, des choses comme ça. Parfois, tu rêves et tu te vois. Malheureusement, la situation dans laquelle tu es, ça bloque tes opportunités. Dans le sens où quand ça vient, tu n'acceptes pas. Parce que tu culpabilises, ah, je ne peux pas les laisser. Non. Donc, tu n'es pas concentré sur toi-même. Et c'est un peu dommage. Si tu as peut-être voulu faire le visa pour partir quelque part, demande, tu es censé voyager ma chérie. Et voilà la paume de main qui démange l'argent. Tu es censé aussi avoir beaucoup d'argent.
Oh, je sens comme si tu n'es pas en train de vivre pleinement ton potentiel. Parce que ta puissance, tu es bien trop fort. Et du coup, je vois comme s'il y a des moments où tu baisses même. Spirituellement, tu fais volontairement, tu baisses volontairement. Tu ne fais pas certaines choses qu'on t'a demandé de faire. Parce que tu dis que si tu fais, ça va augmenter. Ce ne sera pas bien parce que tu ne pourras pas continuer. Voilà. Donc, il faut prendre le kit des envoûtements, tu fais. Et les maisons hantées, je ne sais pas, l'endroit où tu vis n'est pas bon. Il y a un kit que j'appelle maison hantée. Demande un rituel de détachement. Genre, si on t'a attaché quelque part, ce rituel de détachement va t'aider. Oui. Oui, oui, oui. Quand tu vois les corbeaux, ne vois pas ça négativement forcément. Parfois, quand tu vois les corbeaux, la demande, est-ce que ce sont mes guides ou pas? Tu as compris? Emmanuel, je vais te bloquer. Tu viens supplier, oui, c'est là. Bon, je continue mes lectures. Je vais faire la lecture pour Noé. Noé. Ok? La première lecture, c'était pour ton autre enfant. Je fais pour Noé maintenant. Il faut allumer la bougie 7 jours à la maison. Et tu demandes que c'est pour la paix et l'accomplissement de la destinée de Noé. Oui. C'est celle qui va brousser les malédictions dans ta famille. Et elle va aussi changer beaucoup les choses. Elle va changer les choses à l'échelle de son pays, national ou international. Quand tu payes la dîme, il faut souvent mettre ses bénédictions sur ça. Associe beaucoup l'enfant là à tes actes spirituels. Et tu achètes aussi un bracelet œil de tigre pour porter sur elle. Un enfant qui a une étoile très forte. Elle est censée aider beaucoup de personnes. Mais l'ennemi attaque très vite. Donc il faut lui porter des bijoux spirituels. Peut-être tu mets un courri sur le fil, tu mets ça sur ses hanches. Elle est censée construire un empire. Tu dois aussi faire une libation sur la terre, ok, au nom de cet enfant. Il y a encore beaucoup de travail qu'on doit faire sur elle. C'est un soldat de lumière et c'est un peu le genre d'enfant, quand elle est née, on envoie des forces du mal. C'est un peu comme si elle a des entités qui la calculent tous les jours pour lui faire du mal. Voilà.
Salut ma chérie, tu as demandé une lecture. Je vais voir ce qu'ils ont pour toi. Mes numéros sont dans la bio. T'es une femme de l'eau. Asperge le sel dans ta maison. Tu laisses le matin, ce sera devenu de l'eau, mais asperge pour la nuit, ça va t'aider. Tu es aussi en activation. Et je rappelle que certains de vos pouvoirs, parfois, vous ne connaissez pas que vous les portez. Jusqu'à ce que votre saison d'activation arrive. Et là, on vous dit maintenant ce que vous portez. Et c'est là que vous comprenez maintenant certaines de vos anciennes réactions. Donc, tu ne connais pas tous tes pouvoirs en une fois. Tu dois aussi beaucoup te discipliner dans ton travail spirituel. C'est pas comme si souvent tu abandonnes, tu commences après, tu abandonnes. Donc, discipline-toi dans ton travail spirituel. Tu as aussi le don de parler avec les esprits. Tu parles avec les esprits. Il faut mettre des bougies chez toi. Pendant 7 jours. Tu as aussi la capacité de parler ou de transformer le savoir. Quand tu enseignes, les gens comprennent bien. Donc, tu culpabilises peut-être d'avoir échoué. En tant que mère ou bien en Europe, ce qu'on t'a envoyé faire. Il faut que tu enlèves ça de ton esprit. C'est un peu comme c'est comme si c'est quelque chose qui t'enferme dans une prison. L'ennemi veut te garder en laisse, en fait. Il n'y a que toi qui peux te sortir de là. Maintenant, il y a des personnes qui ont... Tu as un message pour un groupe de personnes à dehors. Il va falloir que tu donnes ce message. Donc, si tu peux, tu te mets sur les réseaux sociaux. Voilà, mais travaille sur toi. Développe ta capacité à pouvoir te connecter à tes guides d'abord. Et quand cette capacité-là est bien approfondie, il faut que je travaille sur toi, ma chérie. Il y a des attaques sur ton énergie. Je crois que peut-être tu subis des attaques mentales. Je mets la lumière dans ta vie. Donc, je te demande de mettre les bougies chez toi pendant 7 jours. Tu as peut-être des entités qui passent dans ta chambre la nuit. Il va falloir que tu dis, prends le kit maison hantée et le kit des envoûtements. Les envoûtements, c'est pour toi. Maison hantée, c'est pour ta maison. Voilà. Demande un rituel de détachement et un lavage à distance. On va voir pour... Bon, pour ta fille. On a fait de telle façon que quand il s'agit d'elle, que tu manques souvent l'argent pour t'occuper d'elle. Et il y a une sorte de prison. Je ne sais pas si ça a un lien avec son père. Mais en ce qui la concerne, il y a une sorte de prison. C'est un enfant qui est censé voyager même très tôt. Elle est censée partir en Europe très tôt. Et elle est aussi censée faire beaucoup de bien. C'est un peu comme si c'est ton enfant qui va te soulager de beaucoup de douleurs. Et elle est censée même aider les autres personnes. C'est dans sa mission de vie. Donc tu l'as beaucoup... Fais des jeûnes. Tu demandes au Seigneur de libérer ta fille. Toi-même d'abord la mère. Et elle a aussi l'intelligence à l'école. Maintenant, c'est comme si on attaquait ça pour qu'elle prenne du retard. Qu'elle ne soit pas vraiment performante. Donc, c'est un enfant qu'elle a besoin de solitude. Donc, si parfois elle aime rester seule, il ne faut pas la blâmer. Achète-lui beaucoup de livres. Les livres de développement personnel, si possible, pour qu'elle s'éduque, pour voir ce qui va marcher dans sa vie. Non, pour voir ce qu'elle est censée faire. Donc, elle a aussi de la capacité de se connecter beaucoup à ses guides. Donc, quand vous ne le croyez pas en ce qu'elle demande, ça met la confusion dans son esprit. Du coup, elle doute d'elle. Donc, il faudrait que tu arrêtes. Bon, on va prendre l'autre. La première, c'est celle-ci. Bon, on va lire donc pour elle. N'écoute pas les gens par rapport à ce qu'ils te donnent comme conseil sur cet enfant-ci. Oui. Elle est censée faire du commerce aussi. Peut-être dès son âge, elle l'aime même déjà. Mais c'est comme si toi, la mère, tu la bloques. Ton mindset est un peu fermé. Peut-être elle veut faire un commerce en ligne, je ne sais pas. Donc, il faut que tu la libères. Permets-lui de faire ce qu'elle veut faire. Tu dois travailler sur celle-ci particulièrement. Je vois beaucoup d'attaques. C'est un peu comme si on veut lui faire du mal. On veut te faire du mal en passant par celle-ci. Donc, comme elle est en puberté déjà, tu ne dois pas blaguer. Donc, insiste vraiment pour qu'elle se redresse. C'est un enfant qui est censé aider beaucoup de personnes. Vraiment.
Je crois qu'à un moment, peut-être, tu t'es même fatigué de toujours bavarder pour qu'elle change. Elle est très intelligente aussi. Dans ses relations, elle est très créative. Donc, elle peut rencontrer des hommes qui volent ses idées. Et ça la frustre. Dans le sens où il vient, il vole ses idées, il vole son argent, il part. Voilà. Elle a les dons de guérison aussi. C'est une chamane, ouais. Et ça, elle a des dons de guérison. Guérison et enseignement, voilà les dons qu'elle a. Donc, il faut souvent... Demande-lui d'écrire un livre. Demande-lui de faire des vidéos et met en ligne pour éduquer les gens. Si elle fait des rêves, peut-être qu'elle peut te dire, te raconter ses rêves, les choses comme ça. Oui. On doit travailler sur elle. On doit faire un sacrifice de coq. Et prends un kit de désenvoûtement. Tu fais boire le thé à toutes tes filles. Oui, pour le ventre. Et tu demandes un lavage pour elle le mois prochain. Bon, maintenant, je vais lire celle-ci. Elle aussi, tu as accouché qu'elle est businesswoman. C'est une personne qui va attirer ces gens à elle. Ces personnes vont venir. Elle a... Je te vois un peu, je suis vraiment fatiguée sur tes enfants. Je ne sais pas si tu avais leur père. Mais on me dit, de ne pas te... Ne te décourage pas. Tu peux t'occuper d'eux. Peu importe, même si le père est là. Je vois un peu comme si tu prends beaucoup de fardeau sur toi. Elle doit peut-être faire ingénierie. Je la vois avec un cerveau qui va retenir beaucoup de choses. Et en tant que peut-être elle est un juge, leader, un poste de leader quelque part. Elle a la parole, elle aura la parole puissante. Dans ce qu'elle fera comme métier, c'est le genre qu'elle va parler. 50 personnes vont s'aligner, 500 personnes vont s'aligner. Voilà, elle est aussi très créative. Il faut lui permettre d'exprimer ses dons. Ne bloque pas cela. Dépend souvent de l'argent, tu achètes quelque chose, tu lui donnes qu'elle utilise. Peut-être elle crée des tableaux, des choses comme ça. Achète le matériel, tu lui permets de faire des tableaux. Ok? Voilà. Je vois aussi l'abondance pour elle. Elle sera très riche, mais ça, elle a besoin de ton assistance, maman. Voilà, elle a besoin de ton assistance. Elle a besoin que tu croies en elle. Et si un jour elle veut partir, laisse-la partir. Laisse ton enfant s'envoler. Beaucoup d'entre vous, vous retenez vos enfants. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà, donc j'insiste aussi pour le lavage pour elle. Lavage, et puis on lance une poule au village pour elle. Salut. Donc là, c'est pour toi maintenant. Je vais faire la lecture. Tu es self-made, on peut dire. Mais ça ne plaît pas aux gens. Ton statut ne plaît pas aux gens. Les projets que tu as mis sur pied, ça ne plaît pas aux gens. Ils sont jaloux. Donc. Première carte que je tire, tu vas réussir, ma chérie. Voilà. Tu crois que tu n'as même pas encore commencé. Deuxième, tu dois faire une libation au sol pour tes filles et pour toi. Oui. Tu dois aussi acheter des vêtements spirituels. Je suis en train de lancer une gamme de vêtements. Tous les vêtements que vous voyez, je porte là. Je vais commencer à les vendre. Voilà. La particularité, c'est qu'il y aura mon mention dessus. Ok. Donc, tu es quelqu'un que tu avais beaucoup d'ambition avant pour changer les choses, pour changer le monde. Mais les gens sont venus te distraire. Beaucoup. Parce qu'on ne veut pas que tu saches exactement là où tu es en train de partir. Tu peux même chasser les démons quelque part. J'étais demandé de jeûner pour une de tes filles. Oui, tu es quelqu'un que quand tu mets ton cœur pour faire quelque chose, ça marche. Et tu es aussi très, très... Tu es forte, mais en même temps, tu as le pouvoir de l'amour. Voilà, donc... Certes, les gens ont abusé de toi, ils ont pris ton argent, ils ont pris tes idées, ils sont partis avec. J'ai parlé des idées sur une de tes filles. Il faut faire, acheter le kit fondation, vous faites ça. Il ne faut pas que ce cycle répétitif que tu as subi, il ne faut pas que ta fille subisse ça. Voilà. Quelle est ta dernière carte qu'ils vont donner? Tu culpabilises aussi beaucoup. Je ne suis pas une bonne mère. Donc, il faut que tu arrêtes de te dire toutes ces choses-là. Tu n'es pas appelé seulement à tes enfants. Tu as des personnes à dehors que tu es censé les influencer. Tu es une personne que si tu t'ouvrais, tu t'ouvrais depuis, tu pouvais changer carrément les choses dans le monde entier. Voilà. J'ai parlé de kit fondation, kit désenvoûtement. Toi aussi, tu dois demander un lavage à distance. Et quand tu as des choses à faire spirituellement, ne te fatigue pas, ne te dis, oh, mon argent va finir. Non, ne pense pas ça.
Mon numéro est dans la bio pour ceux qui cherchent. Tu as fait le OMR. Fen, ok. Si elle n'a pas payé pour une lecture avec ses enfants, vous lui demandez de payer. J'ai lu ses enfants. Et quand vous recevez les consultations, mettez tout ça ici. Continue de poser tes questions. Je vois toutes vos questions. C'est juste que je ne pense pas que je suis obligé de répondre à toutes vos questions. Salut Josiane. Tu as demandé une lecture. Allô? Allô? Oui, comment tu vas? Oh là là, bonjour, comment tu vas, chocolat? Très très bien, merci. Oh, c'est gentil, t'es gentil. Merci. Oui, oui, je suis en direct. Et commencer la semaine prochaine, c'est mieux. Bonjour à tous les gens qui sont les chefs d'entreprise qui me suivent là. Les pilotes qui me suivent, les hôtesses de l'air qui me suivent. J'aimerais bien être sur un de vos volants de ces quatre. Parfois, moi, là, je ne sais pas. J'oublie. Comme les blagues. Hein? Pourquoi il fait ça?
Tes photos ne sont pas vraiment top, hein, tu sais. Tes photos. Comment ça se passe pour une consultation vu qu'il n'y a pas de retour? Pas de retour, comment? J'ai dit que les numéros sont dans la bio, non? C'est toi qui dis que tu veux savoir si ton chéri va te marier. Si c'est ta question, ne paye pas la consultation. J'ai des gens à découvrir leurs dons. Tu as compris, chérie? Donc, mon travail, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes que c'est plutôt le gars qui vous intéresse. Bon, on continue les lectures. J'étais à quel niveau? Oh my goodness. T'es jolie, chérie. Les petites françaises, là, vous êtes jolie. Elle est belle. Elle avait un beau visage. Hmm? Bon. Là, tu as la chance. Hein. Tu payes à 11h08. Je te lis à 11h14. C'est parce que tu es belle, je pense. Il fait le favoritisme avec les belles filles. Bon. On va voir ce qu'il y a pour toi. Il faut payer ta dîme, ma chérie. La dîme, c'est 10% de tes revenus. Et je crois que cette année 2024, ce sera une année déterminante pour toi. Parce que tu vas commencer à manifester de vraiment de ouf, quoi. C'est un projet que tu avais qui a été mis en stand-by. Et tu dois nettoyer l'énergie chez toi. Les encens et tout ça. Oui. Nettoie l'énergie chez toi avec du sel, les encens, la cannelle. Pour laver le sol. Elisa, écrit en inbox, tu demandes ta lecture de cartes. Tu as le don de la générosité aussi. Et c'est une force. Comme tu donnes aux gens comme ça, là, c'est là que ça ouvre tes portes. Et tu as aussi le pouvoir de l'amour. Tu es une pacifiste, tu es un bouquet qui a la paix dans un endroit. Il faut porter les courriers sur tes vêtements. On me dit, te dit que tu vas réussir. Même quand tu as eu beaucoup de périodes où tu doutais de toi. L'abondance est en train d'arriver. Tu es en saison de récolte, donc s'il y a des projets que tu voulais faire depuis que tu hésitais, il faut les faire. Même quand tu as un esprit rebelle, mais rebelle n'est pas négatif. Parce que quand tu grandis, on t'a fait croire que rebelle c'est mauvais. Donc, tu as aussi beaucoup de personnes, on me dit de te dire de faire attention à qui tu donnes tes idées. Parce que normalement, tu as des idées qui peuvent te donner beaucoup d'argent. Mais quand tu en parles aux gens, soit ils te dégonflent, soit ils prennent tes idées. Donc, il faudra faire attention. Ne partage pas tes idées avec n'importe qui. Même si c'est quelqu'un qui te fait l'amour. Prends le kit des envoûtements. Donc, je crois aussi qu'on veut bloquer ta voix pour que tu ne parles pas. Prends le kit des envoûtements. Allume les bougies chez toi pendant 7 jours aussi. Tu demandes un lavage à distance. Dans le lavage à distance, je vais te dire ce que tu dois prendre. Après. Yolande, si tu payes, je lis ceux qui sont sur ma liste. Tu as suivi Yolande. Ok, je vois que tu as payé la lecture pour toi et ton fils,
Pour les enfants, c'est 10 000. Pour les adultes, c'est 20 000. Bon, je vais te lire d'abord toi et je fais ton fils après. Qu'est-ce que vous avez pour elle? Tu as le don de communication. Oh, oh. Toi, tes guides sont très forts. Hein. Tu as beaucoup de puissance. Pas plus loin. De voir grand. Les personnes qui touchent ta vision, c'est leur but en fait. Oui. Tu as aussi un esprit qui n'abandonne pas. Si tu as abandonné, je crois que tu serais déjà dans un trou. Et c'est ton esprit qui n'abandonne pas qui fait que les opportunités viennent à toi. Oui. Apporte de l'aide aux autres en ligne. Et tu aussi, tu peux faire dans le conseil, le coaching, quelque chose comme ça. Tu es censé être quelqu'un qui parle et les gens, ça aide les gens. Mais tu t'es laissé bloquer parce que tu as voulu vivre la vie que les autres avaient pour toi. Donc on me dit que ça, c'est un défaut que tu n'aurais pas dû. Oui. Carte bonus. Tu dois faire un don aux orphelinats ou bien faire un don dans un orphelinat. Bon, elle est ton fils. Il faut travailler sur cet enfant. Son esprit est un peu emprisonné quelque part. C'est un être spirituel, mais je sens comme s'il est affaibli. Oui. Il est affaibli. Et il faut une guérison de son âme. Oui. C'est aussi quelqu'un qui est très intelligent, genre, qui pourrait avoir un boulot comme architecte, ingénieur. Il y a des papiers que tu as fait, d'une paperasse que tu as voulu faire pour lui, ça n'a pas marché au départ. Là, ça va relance la chose. Mais travaille d'abord sur lui. Je ne sais pas s'il est là-bas avec toi, là-haut, s'il est en Europe avec toi. C'est un soldat de lumière. Et on a tout fait pour l'éloigner de toi. Je vois aussi comme s'il y a une très grande harmonie entre vous deux, une entente. Son expression, sa voix aussi a été attaquée. Parce qu'on sait que s'il est à côté de toi, ça va lui permettre de s'ouvrir, de parler. Et d'où cette jalousie. Oui, il a aussi du retard dans ce qu'il est censé faire déjà sur la terre. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour accomplir sa mission. Il n'y a pas d'âge. Si tu travailles bien sur ton enfant peut le faire. Tôt. Demande un lavage à distance pour lui. S'il te plaît, demande-moi le planning. Écris à M. Elad. Tu lui demandes.